Je vais aborder aussi cette thématique du don et du pardon à partir d'un angle plus psychologique. Mais déjà en introduction, je voudrais dire que quand on parle déjà rien que les mots don et pardon, hein, qui ont en commun le côté d'un mouvement qui va vers l'extérieur, hein, c'est donner, pardonner, c'est un mouvement qui va vers les autres, hein, même si quand on regarde bien le don, il y a quelque chose de l'ordre d'un mouvement qui va de moi vers quelqu'un d'autre. Et Non, il marche mon micro, il n'y a pas de problème. C'est le micro de la caméra, donc il n'y a pas de souci. Quand on est dans le pardon, on est plutôt dans je relâche. Il l'a dit, hein, je relâche, j'apaise quelque chose, je guéris ma blessure. Hein, il y a quelque chose qui s'abandonne ici. Hein. On est comme dans l'inspire et l'expire. Et pour moi, dans pardon, vous avez don aussi, pas don. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se rencontre dans le don et le pardon, qui est en commun, dans cette forme d'inspire et d'expire. Hein, je donne, j'inspire, on pourrait dire j'expire, je pardonne, je relâche. Hein, il a parlé de paix intérieure, il y a quelque chose qui se détend profondément. Dans mon développement, vous verrez que je vais faire la part des choses. Une première partie autour du côté lumineux un peu, hein, de ces notions de don et pardon, c'est-à-dire la face, on peut dire la face pile, il y a toujours pile et face, hein, on est dans le monde de la dualité, donc il y a toujours le beau côté des choses, la partie noble, belle, magnifique, du don et du pardon. Les avantages, on pourrait dire ça comme ça, et puis la face nord, hein, qui est l'autre côté de la pièce, qui est la partie ombre du don et du pardon, jusqu'où, on parlait de don désintéressé, hein, jusqu'où, quelle est la limite du don désintéressé, à partir de quel endroit de moi je donne, jusqu'où le pardon est-il vraiment bénéfique. À quel moment, hein, vraiment, est-ce que le contexte du pardon vraiment quelque chose qui est avantageux et qui est libérateur systématiquement pour la personne, si nous sommes tentés de pardonner aux uns et aux autres. Donc jusqu'où la limite, je vais dessiner la limite du don et du pardon, à la fois dans la face lumineuse et à la fois dans la face ombre, la face cachée, qu'on rencontre pas toujours et qui est souvent méconnue, même quand on se veut altruiste, par exemple, généreux, même quand on a très envie de pardonner, parce qu'on se dit, voilà, c'est super, si je commence à pardonner, je vais m'apaiser, on le fait pour soi souvent, hein. Je vais libérer des choses, je vais pas entretenir des contentieux, de la colère, du ressentiment, donc ça va aller mieux pour moi. Hein. C'est dans la notion du pardon, ça a été dit, mais je le redis, il y a beaucoup la question ici de guérir de ses blessures, de pas entretenir une souffrance inutile. Donc de se libérer en fait, de se décontracter, hein, de relâcher quelque chose. Et vous verrez que dans mon développement, à un moment donné, je vous dis oui, très bien, mais jusqu'où est-il intéressant, constructif, d'utiliser le pardon et à quel moment il ne faut absolument pas, et là c'est ma vision de psychologue, hein, pardonner à tout craint, du matin au soir, du soir au matin, voilà. Il y a des moments où c'est pas une bonne idée du tout de pardonner, et il y a des moments où c'est une très bonne idée de pardonner, et c'est très libérateur. Donc je vais prendre un petit temps pour développer ça. Alors, au jour d'aujourd'hui, si j'embraye sur la notion du pardon, puisque j'étais dessus, vous savez qu'il y a une mode des cercles de pardon. Enfin, je sais pas si vous le savez, mais enfin, je vous informe. Hein. Donc, évidemment, ce sont des termes qui sont aussi imprégnés de religiosité, hein, don et pardon. Hein, ça, c'est pas nouveau. Dans toutes les religions traditionnelles, le don et le pardon sont des critères qui nous anoblissent, qui nous rendent honorables, honnêtes, magnifiques, beaux. Donc ça va aussi, là, il en a parlé, mais je le redis, ça va aussi agrandir notre belle image de nous, donc notre moi, notre ego. Hein. Ça fait joli sur le CV, quoi, en clair, d'être dans la générosité, dans le don, dans le pardon, voilà, ça fait joli. Et c'est aussi, alors ça a toujours existé à travers les religions, mais c'est repris à la mode encore aujourd'hui,
du développement personnel, de la psychologie positive, du mouvement New Age. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Hein. Je ne suis pas en train de faire la critique de ça. Je suis en train de dire, regardez, sociologiquement parlant, à notre époque, ces notions de don et pardon sont récupérées pour des effets soi-disant avantageux pour l'individu. Hein. Et donc, il y a un succès monstre des cercles de pardon. Donc, je vous explique en deux mots ce en quoi ça consiste. Ce sont des grands cercles de 40 à 50 personnes. Ça a été initié par Olivier Clair. Hein. Et donc, ils se mettent en cercle, parce que le cercle, c'est doux, c'est rond, c'est fusionnel. Voilà, donc on se met en cercle. Et on se met en face de quelqu'un, puis on passe de l'un à l'autre. Et l'idée, c'est de dire, je te pardonne, je me pardonne. Voilà, et je pardonne aussi à mes ennemis, je pardonne à Dieu, je pardonne au diable, je pardonne aux institutions, je pardonne aux membres de ma famille, je pardonne à mes amis, je pardonne à... Enfin bref, voilà. Donc, alors vous souriez, mais il y a quand même un... C'est loin d'être idiot, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion, quand on le fait, bon, moi je l'ai pratiqué, j'ai essayé, j'ai expérimenté ce truc-là, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre « je me libère ». En faisant ça, vraiment, c'est pour ça que ça a autant de succès. Hein, c'est pas un hasard, ce truc-là. Rien que le fait de le nommer, il y a l'expire, en fait. Je relâche quelque chose. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un énorme succès de ce truc-là, qui fait que ça permet à relaxer, c'est vrai, à relaxer quelque chose, à apaiser des blessures qui sont entretenues, en veux-tu, en voilà, pendant des siècles, et ça, c'est pas une bonne idée. Mais en même temps, la limite du truc, c'est qu'on pourrait croire que en faisant ça, on est complètement guéri, voilà, tout va bien, ben voilà, je garde pas rancune, donc je fais fi de mon passé, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Je peux faire un deuil, si je pardonne, je peux ouvrir une nouvelle page de ma vie. Bon, si j'ai, par exemple, sur la relation amoureuse, voilà, j'ai un ex que j'arrive pas, j'ai du ressentiment, il m'a trahi, c'est dégueulasse, etc. Donc voilà, donc à un moment donné, je me libère des liens qui nous enchaînent, en fait, hein, qui nous entravent, en pardonnant, hein, en faisant ce rituel, parce que ce sont des rituels de pardon. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se véhicule comme ça, à travers ces cercles de pardon, c'est que ça va se... Voilà, je me libère des liens enchevêtrés entre lui et moi. Bon, ça peut être entre mes ancêtres et moi, entre... Enfin, qui vous voulez, hein, entre la personne avec qui vous avez des liens tendus ou des rancœurs et des ressentiments, et avec vous-même. Et donc, on peut vraiment imaginer à un moment donné qu'en faisant ça, en faisant ces rituels, bon voilà, on se libère une fois pour toutes, on peut avancer, on peut passer à autre chose, voilà. Alors pour ma part, c'est super chouette, mais ça me paraît un peu simpliste de s'en arrêter là. Parce que vous avez remarqué qu'une fois que c'est fait, enfin pour ceux qui l'ont pratiqué, hein, qui ont déjà fait des rituels de pardon, moi ce que j'ai pu remarquer, c'est que ok, ça peut libérer pendant un moment, mais très souvent il va y avoir un autre déclencheur, un autre stimuli, moi j'appelle ça un stimulus, une autre situation, une autre personne qui passe par là, qui va réactualiser des projections du passé, enfin des choses qui vous appartiennent du passé, qui vont se remettre à jour. Bon, c'est peut-être un peu confus ce que je raconte, mais par exemple, je sais pas, vous avez été trahi, d'accord, par un homme. Bon, si vous êtes une femme, vous avez été trahi, je prends un exemple classique, où une femme a été trahie par un homme, ou un homme a été trahi par une femme, bon, bref, un truc de trahison, par exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Et donc, à ce titre-là, vous faites un rituel du pardon. Okay, donc hop là, ça y est, et puis vous y arrivez, vous découpez les liens, et d'un coup il y a quelque chose qui se relâche. Super, magnifique. Bon, mais il faut voir qu'il y a quelque chose qui a été internalisé en vous,
dans la sensibilité à la trahison. Et ça, c'est pas neuf. Donc un autre déclencheur passe par là, une prochaine personne qui passe par là, qui vous stimule à cet endroit-là, et hop, Mars et ça repart. Vous repartez, et c'est le même phénomène, le mécanisme. Alors, ça, c'est sans fin l'histoire. C'est pour ça que ces rituels du pardon ont des avantages, certes, mais jusqu'à un certain point, parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est là la version psycho que je vais aborder, c'est que nous avons à l'intérieur de nous des facettes, des sensibilités qui font que il faut pas grand chose pour que ça se déclenche. Et ces sensibilités qui sont des blessures, soit d'humiliation, soit de trahison, soit d'abandon, soit d'injustice, sont stimulées assez facilement. Pourquoi ? Parce que l'enfant qu'on a été, en fait, a vécu des situations relationnelles. Dans l'enfance, vous avez eu plein de relations, que ce soit au père, à la mère, vous avez eu des relations avec vos petits frères, vos petites sœurs, vous avez eu des relations avec la famille, vous avez eu des relations avec vos chiens, vos chats, vos animaux préférés, des chevaux, vous avez eu plein de relations. Bon. À chaque fois que vous avez des relations, et notamment dans un environnement qui n'est pas forcément un environnement chaleureux, aimant, chouchoutant, etc., vous allez intégrer quelque chose de ça. Vous avez internalisé quelque chose de ça. Par exemple, vous pouvez avoir un père qui était maltraitant ou qui vous critiquait, qui vous encourageait pas assez, et vous avez été sa victime, par exemple. Donc vous avez internalisé un côté, une posture de victime face à un grand qui vous critique. Donc il y a quelque chose qui est déjà là, et à chaque fois qu'il y a un stimuli sur votre parcours de vie, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui stimule le genre papa, critiquant, jugeant, eh bien, ça va se réenclencher, ce machin-là. Pareil, alors vous pouvez, voilà, je parlais d'un père qui critiquait, vous pouvez avoir été dans une posture de victime à ce moment-là, ou dans une posture de bourreau vis-à-vis du petit chat que vous aviez et que vous jouiez au bourreau avec ce chat, ou alors avec votre poupée, hein, par exemple. Hein, donc, selon les relations qu'on a eues, on a expérimenté des différentes postures. Bourreau, victime, des relations, plein d'autres types de relations, des relations tranquilles, agréables, de sérénité, de joie, ou des relations aussi de vraiment d'agrippement, des choses comme ça. Donc on a plein de types de relations qui sont internalisées, ce qui va donner une coloration de plein de facettes de nous-mêmes. Et selon les personnes qu'on rencontre, elles vont déclencher de nouveau les mêmes types de facettes, de polarités en nous. Donc on pourrait dire qu'on est plein de polarités, on a toutes les facettes en nous, mais on ne le sait pas. On est tout le temps déclenché par les mêmes choses. Bourreau, victime, vous retrouvez sans arrêt ce truc-là. Et pourquoi est-ce que ce rituel du pardon est intéressant, mais à ses limites ? Parce que quand vous pardonnez pour cette personne-là, pour cette situation-là, mais comme c'est approprié, comme c'est interne et que c'est mis à l'intérieur de votre disque dur, à chaque fois qu'il y a une personne qui restimule, paf, ça redéclenche. Donc ça veut dire qu'il vous faudrait passer votre temps à repardonner, à refaire le processus. Et pourquoi pas hein. Mais ça ne va pas guérir ou soigner complètement cette histoire. Ce qui est le plus simple à faire, c'est un vrai travail d'introspection qui est de regarder toutes les postures que j'ai en moi et les postures que j'utilise le plus. Par exemple, il y a des personnes qui sont le plus dominantes ou des personnes qui sont plutôt victimes ou contrôlantes ou dominantes ou plutôt victimes. Et donc, à ce titre-là, je regarde ce qui apparaît le plus chez moi. Et est-ce que je peux jouer autre chose que ça, ou est-ce que je reste toujours sur mon truc de j'ai besoin de me méfier, d'être dominant, ou je suis une petite chose fragile et je me fais toujours maltraiter, je dois être plutôt victime, etc. Et j'entretiens ce truc-là. À mon avis, pour la question du pardon, ça peut être intéressant de regarder un tout petit peu plus loin que simplement de s'en arrêter à ces rituels du pardon qui sont assez classiques au jour d'aujourd'hui hein, et qui ont leur intérêt, mais qui, à mon avis, ne suffisent pas pour s'en libérer totalement. Puisque je suis sur le pardon, je vais quand même continuer. Pour moi, l'avantage vraiment du rituel du pardon, c'est effectivement de s'apaiser, mais c'est surtout de se pardonner. Moi, il y a un truc que j'aime bien et que je vous invite à faire. Pardonner aux autres
je vous dirais comment je fais pour pardonner aux autres, parce que j'ai compris un truc il y a longtemps et que ça marche très bien. Mais je vais juste faire un petit point sur, avant de dire pardonner aux autres, comment se pardonner à soi-même. Parce que pour moi, un des chemins les plus difficiles qu'on a tous à faire, c'est ce chemin de bienveillance par rapport à soi. C'est comment je suis en capacité d'accepter mon imperfection, ma médiocrité, ma nullité, ma petite chose que je suis, alors que je me veux... notre moi aime se sentir élevé, hein. Notre moi aime se sentir important. On parle de l'ego, moi j'aime pas trop le mot ego, mais on aime bien se sentir quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui est comme ceci, qui est comme cela, qui réalise, qui est généreux, qui sait pardonner, enfin quelqu'un qui est bien quoi, hein, quelqu'un de bien, voilà. Et donc à ce titre-là, ben, on se veut toujours en haut des hautes sphères là. On a un idéal de moi, je le dis souvent, assez élevé. Et se pardonner à soi, parce que se pardonner à soi, c'est arrêter de lutter contre soi-même. C'est se dire, c'est s'accepter là-dedans. C'est se dire, ben voilà, je veux toujours être là-haut, en haut de l'affiche, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que personne ne peut y arriver. Parce que c'est juste pas possible. Je veux maîtriser, je veux me maîtriser, je me surveille. C'est surtout soi, hein. On est souvent plus exigeant avec nous-mêmes qu'avec les autres, hein, n'est-ce pas ? Et donc, et souvent plus tolérant avec les autres qu'avec nous-mêmes. Donc, on est souvent dans un niveau d'exigence vis-à-vis de soi qui est juste énorme. Et ça, c'est normal et c'est légitime d'être en sévérité par rapport à soi, d'être notre propre tyran. Pourquoi c'est légitime ? Parce que quand on était petit, je reviens toujours à ces histoires d'enfance, mais c'est tellement vrai, quand on était petit, ben, et quand on nous critiquait, par exemple, on ne pouvait pas s'imaginer que c'était l'adulte qui nous critiquait ou qui nous grondait, faisait faux. On l'a pris vraiment perso. Voilà, on l'a pris pour nous, parce qu'on ne peut pas imaginer que le grand nous veut du mal. Le grand est là pour nous protéger. Voilà. Et on n'a que lui en référence. C'est nos piliers de sécurité, papa ou maman. Donc, on n'a pas envie de se séparer du lien de papa-maman. On va d'abord protéger ce lien à tout prix. Donc, on ne va pas éprouver du ressentiment pour eux ou de la colère pour eux quand ils nous critiquent, quand ils nous dévalorisent, quand ils nous rejettent, quand ils nous maltraitent. Même la maltraitance, hein. Quand on est enfant, on a beaucoup de mal à en vouloir à nos parents parce qu'on veut protéger ce lien à tout prix. Ça en va de notre survie. Donc, on va être empathique avec eux, on va les protéger, on va vouloir garder ce lien à tout prix. Et c'est pour ça qu'en tant qu'adulte, pourquoi est-ce que, moi je le vois beaucoup en thérapie, hein, pourquoi est-ce qu'on est très empathique vis-à-vis de nos parents maltraitants, hein, si vous avez eu des parents maltraitants quand vous êtes des grands, vous les excusez souvent. Très souvent, vous dites « Ah oui, mais bon, je comprends, ils ont eu une enfance difficile, mes parents, donc c'est normal qu'ils me critiquaient, qu'ils me tapaient, qu'ils me hurlaient dessus, moi je les comprends. » Alors oui, vous les comprenez. Sauf que vous les comprenez, certes, mais il y a un endroit où vous ne reconnaissez pas la blessure. Pourquoi vous ne pouvez pas reconnaître la blessure, c'est-à-dire que vous avez été victime de ça et que ce n'était pas juste ? Parce que l'enfant veut garder le lien à tout prix. Hein, elle veut protéger d'abord le parent et il va dire oui c'est vrai, c'est moi qui méritais la fessée, c'est vrai, c'est moi qui méritais puisque papa ou maman me disait que je méritais, c'est que c'est vrai. Hein? Donc cette histoire de pardonner, bien souvent, elle n'est pas juste, c'est pour ça que je suis en train de parler du pardon, combien c'est pas juste de pardonner trop vite quand on est des adultes, quand on a été blessé, maltraité, etc., critiqué, jugé. Pourquoi ? Parce que très souvent, être trop empathique avec ses parents, pardonner tout et trop vite, c'est une manière de ne pas reconnaître le ressentiment qui nous habite. Et tant que ce n'est pas reconnu, tant qu'on ne reconnaît pas la victime qu'on a été, tant qu'on n'a pas été visiter vraiment la blessure qu'ils nous ont infligée et combien ça a été douloureux, hein, c'est une manière de mettre un pansement, de taire, de méconnaître, hein, de minimiser ce qu'on a vécu, hein, et de pardonner trop vite, ça ne nous permet pas de guérir de cette blessure. Parce que qu'est-ce qui va permettre de se libérer vraiment ? Ce n'est pas le pardon tout de suite. Si je pardonne trop vite, à ce moment-là, je ne peux pas récupérer, par exemple, ma réponse d'attaque qui a été perdue. Hein, quand j'ai été enfant maltraité ou pas encouragé, dévalorisé ou négligé, hein, et ben j'ai pas pu riposter, j'ai pas pu m'énerver contre cet adulte.
Parce que cet adulte, c'était mon parent, et je voulais d'abord être aimée de lui, ne pas me couper du lien, et je l'ai protégé. Donc, j'ai pas pu attaquer mon parent, j'ai pas pu me mettre en colère contre lui. Ça, c'était juste pas possible. D'abord parce qu'il était plus grand que moi et que sinon il me massacrait. Et petit 2, je voulais protéger le lien. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant? Je vous l'ai dit, il prend pour lui. C'est moi qui ai fait faux, c'est moi qui suis nul, c'est moi qui mérite, c'est moi qui suis une mauvaise personne. Et c'est comme ça qu'on grandit avec ces constructions-là. Et c'est pour ça que pardonner tout de suite à nos parents à l'âge adulte sans avoir fait un vrai travail de thérapie qui est « je reconnais la blessure et je récupère ma réponse d'attaque, je suis en colère contre ces... » Non, c'est pas vrai, c'est pas juste. Ça aurait pas dû se passer comme ça. À aucun moment, les parents sont pas là pour nous massacrer. Les parents sont pas là pour massacrer les enfants. Ils sont là pour nous protéger, les grands. Hein, moi, j'ai une grande sensibilité vis-à-vis des enfants et des enfants intérieurs de mes patients. Et donc, à chaque fois, je dis, mais non, il y a quelque chose à reconnaître avant de pardonner. En veux-tu, en voilà, dès le départ. Bah oui, je comprends, je suis empathique. Mes pauvres parents, avec tout ce qu'ils ont vécu. Bah oui, on comprend. Alors, ça n'empêche pas l'empathie. Mais à un moment donné, c'est trop tôt dans la thérapie de pardonner sans avoir fait le vrai travail de « je reconnais la blessure, je reconnais et je me mets en colère contre cette famille qui n'a pas été à la hauteur de mes besoins d'enfant, qui n'a pas su me protéger, que ce soit père ou mère, parce que très souvent, il y a le père d'un côté et la mère qui est co-responsable, ou il y a un des deux parents qui est co-responsable de laisser la maltraitance s'installer, hein, en laissant faire. Donc ça, il faut regarder, il faut le visiter, le sentir dans sous son être hein, d'adulte, hein, qui, quand vous avez été maltraité, déprécié, etc. C'est vraiment reconnaître cette blessure qui a été infligée avant d'en passer par le pardon. Le pardon, c'est la phase finale. C'est le cadeau de la fin de la thérapie. C'est le cadeau après la reconnaissance de la blessure. Mais sinon, si vous pardonnez trop tôt, très vite, vous ne pouvez pas vous libérer. Ça ne fera pas cet effet d'apaisement tant attendu, qui est je relâche, je m'abandonne, pff, enfin c'est bon, je me libère des chaînes du passé, je n'ai plus de rancœur. Voilà. Si c'est fait trop tôt, je vous assure, parce que je le vois sans arrêt dans mon cabinet, quand c'est fait trop tôt, ça ne peut pas faire cet effet-là. Parce que vous allez être restimulé, en veux-tu, en voilà, et vous n'avez surtout pas récupéré cette fameuse réponse de combat ou de fuite qui a été bloquée au moment du traumatisme ou des multitraumatismes pendant votre développement d'enfant. Parce que vous n'avez pas pu répondre et attaquer votre parent, c'était juste pas possible. Et ça, c'est bloqué. Et c'est pour ça, quand cette réponse de combat est bloquée, on va trouver quoi chez l'adulte? On va trouver des adultes qui se font rentrer dans leurs frontières, qui sont même tellement gentils, sont gentils. Gentil garçon, gentille petite fille. Ça va donner, d'ailleurs, ça va me faire le parallèle avec le don. Hein, les gens qui sont très donnants, très généreux, très empathes, très altruistes, très perméables aux émotions, très émotionnels, comme ça, etc. Souvent, ce sont des personnes qui ont perdu leur réponse d'attaque dans leur équipement. La réponse de combat. Parce qu'enfant, ils n'ont pas pu faire ça. Donc, c'est perdu dans l'équipement. Donc c'est à récupérer cette réponse, évidemment ça c'est un travail qu'on fait en thérapie, pour pouvoir ensuite arrêter de jouer une carte et une seule, qui est la carte de la générosité, de l'amabilité, d'être au service. Hein. Parce que si j'ai pas de réponse d'attaque, je sais pas dire non. Je sais pas être soi-disant méchant, c'est pas de la méchanceté, c'est mettre mes frontières, c'est dire stop. Et donc je sais pas riposter, je sais pas attaquer, et je vais être gentil. Et il y a l'excès du trop gentil, voilà ça. Et ça me permet de faire le parallèle avec le don. Alors, dans le don, il y a le donnant, il y a le donneur, hein, il y a celui qui aime donner. Il y a un goût du don. Comme il le disait si bien, est-ce que c'est un vrai don ou un faux don? Jusqu'où c'est un don gratuit et désintéressé? Jusqu'où c'est un don pour obtenir quelque chose, chercher quelque chose, soit pour son image, hein, pour anoblir ma belle image de celui qui est donnant, généreux, ça fait joli, hein, ça fait chic sur le CV, moi je suis une belle personne. Et ça, c'est pas toujours vu, c'est les zones d'ombre. Hein. C'est pour ça que j'en parle. Ce n'est pas reconnu par l'individu souvent. Quand c'est reconnu, c'est assumé, tout va bien. De quel endroit ça part de moi que je suis le donneur, le donnant, le généreux? Voilà. Où est-ce que c'est pour... si je donne, en retour, je vais être aimé. Plus je donne, plus je vais m'adapter, plus je vais être cheese, plus je vais être aimable, etc. Plus je vais être au service, plus je vais récupérer de l'amour en face, hein, parce que voilà, plus je donne, plus je reçois, il y a ce truc-là.
Et plus je donne, plus je suis dans le plaisir de donner, plus ça me fait plaisir aussi. Et, mais je ne vois pas que souvent, dans ce plaisir que j'ai à donner, je récupère une force, je récupère de l'énergie, je récupère de l'amour. Donc en fait, j'utilise l'autre pour me faire du bien, pour me faire plaisir. J'utilise l'autre pour être aimé. Et je le dis, hein, parce que quand c'est assumé, ça relâche. Quand c'est pas assumé, c'est une zone d'ombre qui est pas vue. Hein, je ne reconnais pas que j'utilise l'autre pour mon propre plaisir. Je ne reconnais pas que je l'utilise, donc quelque part je le manipule, hein, pour me sentir importante. Hein, donc je t'aime, oh que je t'aime. Alors j'arrête pas de le dire, oh je t'aime. J'aime mon voisin, j'aime mon amoureux, j'aime mon chat, mon chien, enfin, j'aime tout le monde. Oh, qu'est-ce que je vous aime ? Alors je vous aime. Pourquoi je vous aime tellement ? Mais je vous aime parce que derrière, vous me donnez des signes de reconnaissance. Voilà, il y a de la gratification. Tous les soignants, là, il y a une mode en tout genre, dont je fais partie d'ailleurs, hein. Les coachs, les thérapeutes, tous ceux qui font du développement personnel, en veux-tu, en voilà. Enfin, tous ceux qui adorent être dans des métiers de soins, de dons, de générosité, regardez à partir de quel endroit vous le faites. Quelle est votre motivation ? À partir de quel endroit vous le faites ? Est-ce que c'est vraiment un truc hyper altruiste ? Je donne et je me sens, voilà, dans quelque chose de complètement gratuit. De quel endroit je donne ? Ou est-ce que je donne et que je reconnais que je donne parce que voilà, ça me sert en retour. Quelque part, je vous utilise parce que voilà, vous me donnez de la gratification, vous me servez à mon propre plaisir. Et il n'y a aucun problème à partir du moment où je le reconnais. Il n'y a pas de problème à s'utiliser les uns les autres. Alors, en général, les gens qui disent ça, ils font vert. Ils disent, oh, mais c'est moche ton mot utiliser, c'est moche, c'est pas beau de s'utiliser. Bah oui, mais je le dis sans arrêt. Mais arrêtez de vous prendre pour... ça, c'est le moi, l'ego, il veut s'encenser. Il veut avoir une belle image. Bah oui, mais si à un moment donné, on reconnaît qu'on peut être d'accord et au courant qu'on s'utilise les uns les autres de manière fonctionnelle, il n'y a pas de problème avec ça. Pas de problème à s'utiliser. On s'utilise pour la sexualité. On utilise l'autre pour son plaisir. L'autre, il nous utilise pour notre plaisir. Alors après, on peut se raconter des tas de choses magnifiques, nobles, belles, jolies, que j'adore d'ailleurs, la communion, la beauté. Et c'est vrai aussi, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais jusqu'où on se raconte une histoire qui va nous enchanter, qui va nous faire voir des mirettes, et on ne reconnaît pas l'ombre de cette lumière. Parce qu'il y a lumière et l'ombre. Il n'y a jamais l'ombre sans la lumière sans l'ombre. Alors, ok d'aller dans la lumière, parce que ça magnifie. Moi, j'adore. Hein, je suis une fan de Nietzsche, donc j'adore la voie de la beauté, de mettre de la beauté dans l'ordinaire. Il n'y a aucun souci avec ça. Au contraire, c'est mirifique, quoi. C'est d'un coup, on s'envole, on s'expanse. Mais à un moment donné, si on s'expanse et on s'expanse, le moi s'hypertrophie. Hein, donc il faut arrêter de se raconter des cracks. C'est important de voir aussi de quel endroit de moi ça part, cette histoire de dons, de générosité, d'altruisme à tout craint, et de reconnaître notre petite médiocrité, nos limites, en fait, simplement nos limites. On n'est pas grand chose, on est des petites choses. Donc des petites choses qui se veulent des grandes choses, mais qui ne sont que des petites choses. Donc du coup, ça nous détend. Hein, et c'est pour ça que j'aime bien parler du don et du pardon, et notamment de cette histoire de don aussi qui a l'air magnifique comme ça, avec la limite du don qui est, ok, de temps en temps je donne vraiment à partir d'un endroit de moi qui est complètement désintéressé, hein, et les endroits, moi ce que j'ai repéré sur moi pour vous en faire part, quand je suis complètement dans le désintéressé, comme il parlait tout à l'heure, dans l'abandon, hein, le don qui s'abandonne à lui-même, c'est quand je joue. Dans le jeu, je joue pour rien. Je joue pas pour pas les jeux où on perd ou on gagne, hein. Pas le Monopoly ou des trucs comme ça. Mais le jeu vraiment, par exemple avec un enfant, vous jouez pas pour aller quelque part, juste pour le goût du jeu. Je joue avec une brindille, je joue avec n'importe quoi, tout ce qui se présente à moi. Le jeu pour jouer, sans aller vers un objectif, simplement pour le goût de jouer, de s'amuser, c'est la légèreté. Et là, on est dans effectivement quelque chose qui laisse aller. Hein. On n'est pas dans quelque chose qui contrôle, qui veut prendre, qui veut saisir, qui veut s'agripper, qui veut retenir, qui veut aller vers quelque chose. Et c'est pour ça que ça, c'est une forme de don de soi, que de pouvoir jouer sans s'agripper à rien. Parce que là, le moi, quelque part, se dissout. Le moi disparaît là-dedans. Je m'en fous d'être quelqu'un qui veut obtenir quelque chose. Je suis simplement dans l'instant à jouer avec cet enfant, par exemple, ou à jouer avec cet amoureux, ou à jouer avec ce qui se présente, ou tout et n'importe quoi. Et dans ce jeu,
il y a la gratuité. Dans ce jeu, il y a le désintérêt. Je le fais pas pour quelque chose, je le fais simplement parce que je suis touchée et parce que ça rentre en résonance avec quelque chose de léger et je me prends pas au sérieux et ça relâche à ce moment-là. Hein? Dès que j'arrête de me prendre au sérieux, bah, y a quelque chose de profond qui s'installe. Parce que dans la légèreté, moi je dirais comme ça que l'essence de la profondeur, c'est la légèreté. Voilà, la profondeur, c'est dans la sériosité, pour moi, c'est pas profond, c'est je m'alourdis et je me raconte un truc qui renforce la structure de mon moi et qui veut sans arrêt paraître, et faire briller mon ego. Et pourquoi pas ? Parce que ça a du bon aussi, hein, quand c'est reconnu, hein, on a tous un moi, et c'est bien de le renforcer aussi par moment, mais à un moment donné, c'est bien de s'en départir un peu et de se détendre un peu avec tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire sur le côté du don. Autre chose aussi sur le don, puisque je suis sur la partie du don, quand je donne à partir d'un endroit de moi qui est vide, hein, qui est vide, qui n'est pas plein, hein, on va dire, ça s'appelle comme ça, c'est pas un vrai don, c'est un don qu'on appelle un don du mendiant. On le voit beaucoup dans la relation amoureuse, hein. Si je donne parce que je fuis ma solitude, si je donne parce que je ne supporte pas d'être confrontée 5 minutes à mes angoisses existentielles, parce que je me dis que je ne peux pas rester 5 minutes tranquille sur mon canapé, parce que tout de suite une angoisse monte, le vide monte, et ça m'effraie. Et donc, bah, du coup, je préfère me sentir utile à quelqu'un, à mes enfants, à mon mari, à mes patients, à je ne sais pas quoi, parce que là, je reçois quelque chose en retour, bah, je fuis quelque chose de moi. Je fuis quelque chose qui me fait peur. Mais ce n'est pas comme ça que je vais régler le truc. Donc, au contraire, parce que ça s'entretient sans arrêt. C'est le don du mendiant, hein. Et donc c'est le don de l'altruiste là, que j'ai beaucoup décrit, hein, ceux qui aiment trop, l'altruiste qui donne, qui ne peut pas s'empêcher de donner, c'est plus fort que lui, qui est dans une forme de dévotion, mais c'est aussi parce que c'est une fuite en avant d'un endroit qui est souffrant, qui est l'endroit du vide, qui est l'endroit du néant, et qui est tellement difficile de rester un peu et de traverser ça, et de rester un peu en contact avec ça, que c'est plus facile d'être dans l'altruisme, évidemment. Puisque là, on va utiliser les autres pour se sentir, pour se remplir en fait, tout simplement. Hein. Donc fuir ce néant, fuir ce vide pour se remplir. Et ça ne règle pas grand-chose. C'est pas mal, ça dure un temps. Hein. On se remplit, mais c'est une quête incessante parce qu'il faut toujours quelqu'un qui doit nous servir à une fonction utilitaire d'être gentil, d'être donnant, d'être présent, d'être au service, etc., etc. Donc c'est un truc qui se mord la queue. Et à un moment donné, quand on en a fait le tour, moi personnellement, à un moment donné, je me suis dit, bon ben voilà, écoute ma chérie, t'as pas le choix, va falloir que tu arrêtes ton temps à courir désespérément derrière, être utile aux autres, soigner les uns et les autres, être la sauveuse de l'humanité, travailler comme une tarée, avoir des amoureux en veux-tu en voilà, faire des couples en veux-tu en voilà, enfin des tas de trucs comme ça qui servent à remplir mon vide quelque part. Donc il va falloir que je m'arrête sur mon canapé, hein, rester un peu des heures là-dessus et de vraiment de rester un peu plus longtemps dans ce qui est possible pour moi, de rester en contact avec ce vide, avec cette angoisse de l'existence, qui sont les résidus de tous les traumas transgénérationnels et de tout ce qu'on transporte les uns des autres. Hein. On arrive avec ce truc de séparation qui est juste incroyable. Et on n'en peut plus, c'est insoutenable ce vide, quoi. Ce sentiment d'être séparé, de ne pas être relié, d'être seul, de ce truc de qu'est-ce qu'on fait là, on est voué à quoi, c'est angoissant. Et donc, on passe son temps à fuir les uns les autres. Moi, la première, je vous en témoigne. Et donc, à partir de là, rester, ça a été un moment vraiment important pour moi. C'est me dire, bon, écoute, arrête de fuir tout le temps. Est-ce que tu peux rester un peu plus, et rester en contact avec ce vide insoutenable pour qu'il se transforme en autre chose. Bon, il s'est transformé un peu, il n'est pas complètement transformé. Parce que je suis encore là ce soir avec vous, c'est que je suis encore en train de ne pas rester chez moi tranquille, à passer de la mendiante à l'impératrice, parce que c'est ça l'idée. Hein. C'est le mendiant qui passe son temps à donner, à être au service, à être dans le don, la générosité, etc. Et qui donne, et qui dit « je t'aime, à partir d'un endroit de vide de lui,
pour passer à l'empereur ou l'impératrice, qui est l'endroit où je donne pas à partir d'un vide, mais d'un plein, où je suis tranquille en fait. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si je suis pas avec, ben, je suis pas avec. Si je suis avec, eh ben, youpi, à ce moment-là, j'en profite, je savoure, je fais un petit truc de gratitude, des rituels, en veux-tu, en voilà, je suis content, je magnifie le machin. Mais en même temps, je me prends pas au sérieux là-dedans, quoi. Je sais que c'est pas parce que j'en ai vraiment besoin et que je peux pas m'en sortir sans. Hein. C'est ça la différence entre la dépendance qui va s'agripper à partir d'un endroit de mendiant et celui qui donne pour recevoir. Et dans la relation amoureuse, on le voit beaucoup. Il y a beaucoup des femmes et des hommes. Hein. Je donne. Chez l'homme, c'est la fonction protectrice de l'homme. Je te protège. Je vole à ton secours. Secours du féminin blessé, du féminin fragile, du féminin vénéré, du féminin en veux-tu, en voilà. Donc, dans l'archétype du masculin, il y a le protecteur. Et ce protecteur, il est magnifique, mais en même temps, quand il le fait de manière récurrente et systématique pour renforcer son moi de « je suis puissant et fort parce que je te protège », en même temps, c'est magnifique. Parce qu'il y a quelque chose de donnant là-dedans. Hein. L'homme qui vous protège, il a du plaisir à donner et à vous protéger, vous les femmes. Donc il le fait parce que ça lui fait du bien, ça vous fait du bien. Et en même temps, il renforce aussi, je suis le protecteur, donc je suis une bonne personne. Donc je suis fort et puissant là-dedans. Et reconnu comme tel. Donc je vous dis, hein, versant nord, versant pile et face. Hein. Donc jusqu'où c'est vu, jusqu'où c'est pas vu. Parce que quand c'est récurrent, ces hommes-là ne peuvent pas s'empêcher d'être protecteurs tout le temps ou sauveurs tout le temps, et ils deviennent chiants et étouffants à vouloir tout le temps nous protéger. C'est excessif dans la protection, c'est too much, quoi. Donc à un moment donné, on n'en peut plus d'être protégé, surprotégé, accès. Donc c'est toujours la limite du truc, c'est l'excès, hein, qui nuit. Un peu, c'est bien, mais jusqu'où la personne, elle est construite là-dessus, elle ne peut pas s'empêcher de protéger, l'homme ne peut pas s'empêcher de protéger, protéger, surprotéger. Et des fois, c'est étouffant ou envahissant, voilà, parce qu'il est décentré de lui. Pareil chez les femmes, hein, là, je prenais un exemple sur un homme, mais ça peut être pareil pour une femme. Voilà. Et donc, quand ce n'est pas vu, ce n'est pas reconnu, c'est systématique et on ne peut pas être autre chose que ça. Et c'est là où on est coincé dans nos systèmes, c'est ce qui est embêtant. Donc voilà, j'étais sur la partie du donneur, du protecteur, ça c'est chez l'homme, et chez la femme qui veut donner à ses enfants, à son époux, je donne, je suis la gentille, moi, hein, je suis celle qui remplit ma fonction mère parfaitement, ma fonction épouse parfaitement, et je dis je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je vous aime à tous, mais en fait derrière c'est pour aussi se sentir parfaite, hein, se sentir reconnue, s'aimer, hein. Et c'est pour ça que je disais, et je pointe ça vraiment, une des choses vraiment essentielles, hein, qu'on a à faire sur notre chemin, c'est de ne pas s'en vouloir, c'est de se pardonner à soi-même, c'est de se donner à soi-même cette bienveillance. C'est, ben, je m'en veux pas d'être comme ça, je peux pas lutter contre moi si je me vois être trop altruiste, par exemple, et que je ne fais pas exprès. Donc, je ne peux pas m'en vouloir. Je ne peux pas m'en vouloir parce que je ne peux pas être autre chose que ce que je suis maintenant. Et je ne peux pas en vouloir à l'autre parce que l'autre, il est à ce moment-là, à cet instant T, exactement comme il est parfait. Il ne peut pas être autrement que ce qu'il est maintenant. Peut-être qu'à l'instant T plus 1, plus 2, plus 3, plus 10, il va être différent parce qu'il aura changé, il y aura d'autres données, il aura évolué, changé, etc. Mais aujourd'hui et maintenant, il ne peut pas être autrement. Et c'est pour ça que quand vous avez pigé ce truc-là, que l'autre n'a pas le choix, et même vous n'avez pas le choix d'être différent de ce que vous êtes à l'instant T, à ce moment-là, vous ne vous en voulez plus. Et vous n'avez pas de regret ni de ressentiment pour vous ni pour l'autre. Ni de culpabilité, ni à vous blâmer que vous auriez pas dû être comme ça, que vous devriez pas être comme ça, parce que si vous pouviez être autrement, vous le feriez, tout simplement. Hein, si vous faites des thérapies, si vous faites du travail sur vous, bah vous changez. Mais à l'instant T-1, à l'époque où vous étiez autrement, vous pouvez pas être autre chose que ça. Vous ne saviez pas tout sur vous. Vous aviez pas les données, vous aviez pas évolué, vous aviez pas intégré des nouveautés. Donc vous étiez comme vous étiez à cette époque-là. Donc vous ne pouvez pas vous en vouloir d'avoir été comme ça à cette époque-là. Quand, ça c'est un truc, si vous pigez ce machin, le pardon, il est immédiat. Il n'y a même pas besoin de faire des rituels de pardon. Parce qu'on évolue en fait. Parce que vous... Non, c'est même pas parce qu'on évolue. Parce que vous comprenez
qu'on n'a pas de choix. Ou très peu de choix. Alors, je vais pas passer. Alors là, c'est un autre débat. Hein. C'est le débat du libre arbitre. Hein. Ben, bon. Ça, c'est un débat que je vais opérer le week-end prochain sur la question du non-agissant personnel, hein, sur toute la question du libre arbitre, puisque je mène un atelier sur cette question-là le week-end prochain. Mais si on peut comprendre, quand même, ou envisager, faire une hypothèse, voilà, je ne veux pas dire que je dis la vérité, si on fait une hypothèse qu'on est archi-conditionné par nos gènes, par le transgénérationnel, par notre parcours traumatique, par les vécus, tous nos vécus, toutes nos situations douloureuses, difficiles, par la culture, par notre époque, par les trucs sociologiques, par les influences des uns et des autres, etc. Si on voit combien on est conditionné, ben, on se rend compte qu'il y a vraiment une forme de détermination. Quoi. On est tel qu'on est. À un moment donné, on n'a pas le choix d'être autrement que ce qu'on est, puisqu'on est archi-conditionné, hein, par les gènes, par la biologie aussi. Hein. On est conditionné par notre biologie. Fuite, attaque, un truc de survie, on ne fait pas exprès d'être comme ça. On a des réponses d'attaque et de fuite, des réponses réactives. Je vous ai dit tout à l'heure, l'autre il appuie sur un bouton, paf, t'es en trahison, t'es en abandon, il a tôt fait de réactiver toutes nos blessures. Donc on est archi conditionné quelque part. Quand on voit qu'on n'a pas beaucoup de choix, voire très peu de choix d'être comme on arrête de s'en vouloir. On arrête de lutter contre soi, on arrête de se blâmer. Ou on voit qu'on se blâme, on voit qu'on ne se veut pas comme ça. Et qu'on se dit, si j'avais pu, j'aurais dû. Mais voilà, et alors là, on se colle de la souffrance qui est liée au blâme et à la culpabilité. Et ça, c'est une souffrance énorme, la culpabilité vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres. Ça veut dire que je prétends que j'aurais pu être autrement à ce moment-là. Ou je prétends que je pourrais faire différent. Là, si je ne fais pas un truc parfait là, ce soir avec vous, parce que moi, je prépare assez peu, je n'ai pas le temps tellement, bon, je me prépare, puis après, je dis un truc, puis je pars sur autre chose. Donc, ce n'est pas archimétrisé mon développement là. Et ben, je ne peux pas faire autrement que d'être comme ça. Même si j'avais voulu être autrement, là, être Miss Parfaite, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Parce que je vais m'énerver, je ne vais pas m'énerver là-dessus. M'énerve pas. Je vous le dis, je vous le confie. Ben voilà. Et alors, j'arrête de me faire la guerre avec moi. C'est pour ça que quand... je suis dans cette acceptation profonde de mes limites, ou de voir, je n'ai pas le choix d'être qui je suis, d'être comme je suis. Parce que je suis formatée, j'aimerais bien être autrement, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc je m'accueille avec ça. Et ça, c'est libérateur. La libération, elle est à cet endroit-là. Je me pardonne d'être comme je suis parce que j'arrête de vouloir être autrement que ce que je suis, parce que j'arrête de prétendre quelque chose. J'arrête, prétendre, c'est vouloir être autre, vouloir aller quelque part, vouloir obtenir quelque chose de soi ou de l'autre. Et je vais faire pareil avec autrui. Voilà, j'arrête de vouloir prétendre d'obtenir du changement chez l'autre. J'arrête de vouloir prétendre que l'autre doit être différent que ce qu'il est. Parce que s'il est comme ça, c'est qu'il ne peut pas être autrement. Et je l'ai tellement expliqué à chaque conférence que je fais, notamment sur le bouquin que j'ai sorti, sur le décodage des profils de personnalité. Quand on comprend ces trucs de profils de personnalité, on voit qu'on a très peu de marge. On est chacun dans notre profil et on est dans un moule, on est archi-conditionné. Et à partir de là, bah, l'autre, il a peu de marge. Il réagit, on appuie sur un bouton, il réagit. Il est dans ses systèmes de défense. Et moi, je suis dans mes systèmes de défense. Donc bon, hein, principe d'humilité. Hein, je ne contrôle pas grand-chose, il ne contrôle pas grand-chose. Est-ce que je vais lui en vouloir pendant des lustres? Ou est-ce que je vais commencer à pardonner, entre guillemets, qui est à comprendre que l'autre ne peut pas faire plus? Donc le pardon, il est immédiat, il est instantané. Dans cette empathie hein, profonde, qui est de, par exemple, j'avais fait un truc sur le pervers narcissique, une conférence sur le pervers narcissique. Quand je comprends que mon pervers narcissique, il est complètement coincé dans son schéma, c'est une toute petite personne qui est complètement bloquée à l'endroit où elle est, je vois qu'il y a un enfant complètement perdu derrière, mais qui manifeste des comportements pervers par devant. Mais d'abord, je ne vais pas m'attarder avec lui, je ne vais pas rester avec lui, mais je vais voir saisir ce truc-là.
et je vais lui pardonner immédiatement, me pardonner dans le sens de m'en libérer, de ne pas entretenir un machin, je t'en veux, tu m'as fait un sale coup, nanani, c'était un salaud, et t'aurais pas dû, voilà. Et c'est ça le pardon, c'est la libération, elle est dans le sens que j'entretiens pas, et ça a été très bien dit tout à l'heure, je n'entretiens pas, j'en fais pas une affaire personnelle, hein, on retrouve les Alcor Toltec hein, de Guise, hein. Je n'en fais pas une affaire personnelle, je n'entretiens pas le système pendant des lustres, parce que qu'est-ce qui vous fait mal, c'est ça, c'est l'entretien, c'est je branche la prise et vas-y que je me raconte qu'il aurait pas dû, qu'il l'a fait exprès, que c'est contre moi et je le prends perso et c'est un salaud et il aurait pu faire autrement bien évidemment et il l'a fait exprès et tatati et vas-y et là j'entretiens le machin et alors là je me prends le chou et c'est moi qui souffre, parce que qui a le problème, c'est pas l'autre on s'en fout, il est pas là. C'est moi qui ai le problème, c'est moi qui souffre, c'est moi qui ai de la rancœur. Et ça peut durer des années, cette affaire. Hein, quand vous voyez, il y avait une enquête comme ça qui avait été menée chez les mourants là, au moment de partir, qu'est-ce que vous regrettez? Souvent, on pose des questions, qu'est-ce que vous regrettez? Bah, de ne pas avoir libéré des liens de ressentiment, de conflit. Tu vois, de ne pas avoir pardonné, de ne pas avoir libéré les chaînes du passé avec des personnes que j'aimais bien, avec qui je suis toujours en conflit. Tu vois, voilà, c'est ce qu'elle disait, pas que, mais entre autres. Pourquoi ça existe ça? Parce qu'elles n'ont pas pu comprendre ce mécanisme que je viens d'expliquer, qui est si je comprends que l'autre ne peut pas faire mieux, il ne pouvait pas. Donc je ne vais pas m'énerver, c'est pas peine d'entretenir, je peux entretenir, mais je peux ne pas entretenir. Et parfois, c'est vrai que ces cercles de dons, là, ces rituels du don, on coupe. Des fois, je trouve ça un peu immature pour moi, parce que bon, c'est mignon, hein, vous n'avez jamais vu ces trucs? On coupe, là, on fait des dessins. Vous savez, moi, toi, ça c'est pour les histoires. Ouais, moi, mon copain, nos liens, à quel endroit il me faisait du mal et qu'on se faisait du mal, des trucs comme ça. Puis après, on prend le ciseau et... On coupe. Oui, bah, pas qu'avec les chakras, où on découpe, comme ça, je découpe les liens qui nous unissent, et donc je me libère, je te libère, nous nous libérons, voilà, donc ça soulage. Donc c'est mignon parce que ça passe par quelque chose de ritualisé comme ça. C'est symbolique, voilà, et c'est chouette la symbolique, mais en même temps, si vous avez compris ce processus que je viens d'expliquer, c'est immédiat, vous n'avez même plus besoin d'en passer par des tas de rituels. Ça se fait immédiatement. C'est-à-dire que vous n'entretenez plus de ressentiment, en veux-tu, en voilà, parce que vous avez compris que l'autre, il n'a pas le choix. En fait, il était juste, il est comme il est, je suis comme je suis, et peut-être demain je serai différente, probablement, puisque voilà, j'aurais grandi d'un jour, j'aurais appris des choses, j'aurais intégré des nouvelles données, il y aura des choses différentes qui seront passées, je serai plus dans la même humeur, voilà, et donc je serai pas la même. Donc à ce titre-là. Dans ce moment à T+1, ben, je serais pas même. Donc je peux pas avoir de regrets sur hier, puisque hier c'est passé, c'est archivé, et j'étais comme j'étais. Et demain je serai comme je serai. Et c'est tout le temps comme ça. Donc on peut vraiment se pardonner à soi-même. Pour moi, je vous ai dit, un des éléments essentiels, c'est je me pardonne à moi d'être comme ça. J'arrête de me vouloir autre. J'arrête de me faire la guerre. Je peux faire pareil avec les autres, hein. Mais déjà moi-même. Et dans le don, c'est pareil. Est-ce que je peux commencer à me donner à moi-même ce que j'aimerais que les autres me donnent? Regardez, quand vous êtes dans « j'aimerais », ça c'est un truc génial, je vous donne une piste. Quand vous êtes dans « j'aimerais que mon compagnon, mon amoureux me donne, m'offre une fleur, m'offre une attention, un regard, un geste aimant, du chocolat, me fasse l'amour, je sais pas quoi, un truc qui vous est cher, hein, et qu'il ne peut pas, parce qu'à l'instant T, il ne peut pas être autrement que ce qu'il est, je viens de vous le dire. Donc lui, il est dans un autre besoin, il ne peut pas, il ne veut pas, enfin, c'est pas dans ce trip-là. Donc vous, vous êtes frustré, vous êtes là, il ne me donne pas l'attention que je veux, j'ai les boules, je suis frustré. Je suis mal, je suis en manque. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, la tendance, c'est de devenir tyrannique, exigeant, ou d'être frustré, d'en vouloir. Voilà, alors là, il n'y a pas de pardon. Là. J'ai les boules, je ne suis pas rempli, je suis en manque, etc. Donc, un des trucs qui marche bien, je ne vous dis pas que ça règle tout, hein, mais c'est de vous donner à vous-même ce que vous attendez de l'autre. Vous verrez, ça a un effet pas mal, ça. C'est au lieu de rester scotché dans le manque, je manque, c'est d'être dans, je me mets en contact avec mon manque et je donne à l'autre ce qui me manque le plus.
Une bonne idée, ça. Par exemple, je suis frustrée. Moi, je donne un exemple d'hier, un de mes exemples frais. J'étais avec mon copain, il ne veut pas faire l'amour avec moi parce que voilà, il n'a pas envie. Bref. Moi, ça m'a frustrée. Ma fille, les boules. Ouais, je ne suis pas désirable, c'est nul, il ne m'aime pas, il me rejette. Enfin, tout le truc, hein, vous voyez, tout de suite, ça va très vite. Hein. On a vite fait de retomber sur nos blessures, je vous le dis, on n'est que ça. On est conditionné sur les blessures. Et là, voilà, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas désirable, je ne fais pas le bon geste, je ne fais pas correct, tout le machin. Alors, je me suis dit, bon, je vais utiliser ce piste que je vous donne. Là, ça, je vais lui donner, je vais donner ce qui me manque le plus. Je vais donner. Ce qui me manque, c'est quoi? C'est, j'étais dans la frustration. Donc, ce qui me manquait, c'était le don. Hein, le don de je te donne, je suis à ton service, quoi. Au lieu de rester dans je suis mal, j'exige, je suis frustrée, je t'en veux, je te fais la gueule, je boude, etc. Je me suis mise à faire l'inverse, c'est-à-dire à donner ce qui me manquait le plus. C'est-à-dire l'attention, la générosité, etc. Alors, ça n'a pas tout réglé. Hein, il n'a pas fini par faire l'amour avec moi, mais c'est vous dis, ça ne règle pas tout. Mais néanmoins, ça m'a changé de posture. Hein. C'est-à-dire, ça a shifté quelque chose en moi. Et au lieu de rester scotché dans ma frustration, je t'en veux, alors j'aurais pu faire pourrir la journée comme ça, ça a shifté un truc, ça a fait un basculement. Ça m'a changé d'énergie. Et du coup, j'ai pu me remettre en lien avec lui au lieu de rester dans, dans une, ou la victime ou le manque. La frustration, la colérique, la furie, et puis faire payer comme ça. Hein, et de me remettre dans une forme de connexion, au lieu de partir dans une déconnexion du lien, parce que j'étais vraiment en prise avec mes vieux démons du passé, qui sont, je me raconte histoire, que je ne suis pas parfaite, que je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, et lui, c'est un salaud, et lui, je lui en veux, et c'est à cause de lui, et c'est toujours pareil, et, enfin, alors, je peux passer des heures là-dessus, et je m'en sors pas. Donc, un truc qui peut être pas mal, hein, c'est donner à l'autre ce qui vous manque le plus. Ça veut dire que vous repérez ce qui vous manque. Voilà. Et là, on n'est pas complètement dans quelque chose de désintéressé, mais c'est quelque chose qui se transforme. Hein. Quelque chose de se transforme. De la même manière, vous verrez que très souvent, quand vous avez un complexe d'infériorité, pour vous sentir mieux, vous avez tendance à critiquer celui qui est en face. Parce que plus vous le critiquez, plus vous vous sentez mieux. Hein. Vous sentez plus, quoi. Et l'autre, il se sent moins, mais au moins, vous récupérez un peu d'énergie. C'est le truc des vases communicants. Et donc, mais ici, c'est pas très triomphant. Hein. C'est, même si vous vous sentez mieux, l'autre, vous l'avez quand même rabaissé. Donc, un truc qui shift, c'est la même chose que ce que je viens de dire. C'est donner ce qui me manque, me donner ce qui me manque le plus, c'est-à-dire me donner de la reconnaissance, hein, me donner de la valeur à moi-même. Hein. Comme ça, plus je me reconnais, plus je te reconnais. Moi, j'ai besoin de te rabaisser, en fait. Parce que je me donne à moi-même ce qui me manque le plus. Donc, c'est des trucs de transformation qui marchent pas mal. Donc, se donner à soi-même, c'est la première chose. Je me donne à moi-même ce qui me manque le plus. Déjà, il faut que je sois au courant, qu'est-ce qui me manque le plus. Bon, ça, c'est un truc qui marche pas mal. Après, je ne sais pas si vous connaissez les quatre cases. Je vais vous les donner vite fait, là, on est dans l'histoire du don. Il y a se donner à soi-même, il y a effectivement donner à l'autre, hein, donner à l'autre, est-ce que je sais plutôt donner ou est-ce que je suis plutôt dans la posture de je reçois. Donc si j'ai du mal à donner, que je préfère recevoir, ben, c'est pas mal aussi d'apprendre à donner. Par exemple, pour les enfants qui n'ont pas été assez complimentés, encouragés, valorisés, ils ne savent plus donner des compliments quand ils sont grands. Ils savent pas donner, ils savent plutôt recevoir, mais ils savent pas donner. Ça les étrangle de dire « Ah, t'es belle, t'es magnifique, t'es formidable ». Ils sont orientés sur la critique et le manque. Donc pour ces adultes-là qui ont grandi malheureusement en pénurie, bah, c'est important de revenir sur « je donne des compliments, voilà, j'oriente sur ce qui va bien, je te valorise, je me valorise ». Mais bon, il y a un apprentissage sur ce truc-là, sur « je donne hein, »,« je me donne, je te donne ». Et après, il y a aussi un apprentissage hein, sur « je demande ». Je demande, alors ça, c'est pour ceux qui n'ont pas assez reçu, je demande à l'autre de me donner des signes de reconnaissance positive. Je demande à l'autre de me faire des compliments, mais sciemment. Je demande à mon copain, par exemple, de me dire « Oh, combien je suis belle, intelligente, magnifique, nania. » Même si ce n'est pas sincère, ça vous fera du bien parce que dans un premier temps, ça renforcera votre moi qui a été blessé. C'est pas la fin, c'est pas une finalité, hein. On n'en reste pas là. Hein. Mais quand même, dans un premier temps, pour les personnes qui ont été en pénurie de compliments, etc., que vous avez une faible estime de vous, ça va rehausser votre estime de vous. Et ça ne va pas vous faire du mal dans un premier temps. C'est une première étape.
Après, on passe à l'étape de je peux me départir de mon moi et arrêter de me glorifier. Mais dans un premier temps, ça fait du bien. Hein. Donc de demander à l'autre ce que j'ai besoin le plus, de me complimenter, de me valoriser, etc. Et je le fais sciemment comme un exercice. Voilà, demander ce que j'ai besoin d'obtenir et refuser, ça c'est aussi pour aller mieux très souvent, c'est les quatre cases, hein. Donner, demander, refuser, donner, demander, et ouais, oser donner, demander, oser demander, refuser, accepter. Et dans la case refuser, c'est je refuse ce que je ne veux pas qu'on me dise. Je refuse qu'on me dise des trucs, des critiques, par exemple. J'ai pas envie, voilà, j'aime pas, parce que moi, ça me blesse. Donc, je refuse. Voilà, je dis stop, je dis non. Là, t'arrêtes de me définir, t'arrêtes de me dire que je suis comme si, que tu sais ce qui est bon pour moi. Là, j'arrête avec ça. Je veux pas. Voilà, et donc, je pose ma limite. Refuser ce qui n'est pas bon pour moi. Est-ce que je sais faire ça? Donc, il y a des personnes qui ont besoin d'aller dans cette trajectoire pour se sentir mieux en thérapie. Hein. On fait ça, hein, des exercices comme ça. Ça, c'est les quatre cases. C'est Claude Steiner qui est l'inventeur de ces cases en analyse transactionnelle et qui est issu de la théorie des signes de reconnaissance. Hein, la circulation des signes de reconnaissance. Donc, il y a un conte que j'aime bien, qui est très connu, qui s'appelle le conte des chauds et doux des chauds doudous. De Claude Steiner, que vous connaissez peut-être, qui a un petit conte en BD, tu vois, et qui parle de cette affaire-là. Hein, donner, demander, recevoir, accepter ou refuser, les signes de reconnaissance, voilà. C'est toute cette histoire de circulation des caresses. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'on était dans la partie du don, quand même, que je me relis au thème du soir. Donner, me donner à moi-même, et aussi ça veut dire si je donne, est-ce que je sais recevoir en face? Parce que si l'autre il me donne quelque chose et que je suis là... Oh ben non, j'ai acheté ma robe chez Tati. Je ne sais plus qui c'est qui me faisait un compliment tout à l'heure sur ma robe. Je dis, oh ben non, c'est rien ma robe. Ben non, c'est normal. C'est... Bon, voilà. Donc c'est une manière de mettre un filtre pour ne pas recevoir, alors que je pourrais prendre le compliment en disant, bah oui, super, ah, je suis contente que tu me fasses un compliment. Merci pour les fleurs, merci pour le compliment. Au lieu de ne pas recevoir, de mettre un filtre. Mais non, c'est rien. Voilà. Donc là, je ne reçois pas. Et c'est important de recevoir. C'est important de recevoir quand vous avez été blessé, quand vous n'avez pas assez reçu, quand vous étiez petit. Après, on lâche cette affaire-là parce que l'ego, il est surdimensionné et on veut toujours être quelqu'un de bien, etc. Mais dans une première étape du développement, c'est vraiment important de renforcer le moi, pour avoir confiance en soi. Et dans un deuxième temps, on commence à se départir et c'est là tous les bienfaits des enseignements spirituels, hein, qui sont à un moment donné, je commence à être dans l'intentionnalité de dégonfler le moi. Pas le dissoudre, parce qu'on ne dissout pas le moi, mais de ne pas en faire une affaire personnelle. D'arrêter de prétendre, de vouloir aller chercher quelque chose, de vouloir agripper, de vouloir aller vers quelque chose, d'obtenir quelque chose, de vouloir posséder, voilà. Et de mettre des enjeux pour être dans moi, je suis ceci, et moi je suis cela, et moi je prétends machin, et moi je veux être la grande gourou, et toi tu... Bon bref, on s'en sort plus. Voilà. Et ça c'est premier temps, deuxième temps. C'est important de distinguer ça, parce que tout le travail que je fais, et après je vous laisse la parole, il s'organise autour de ces deux temps. Premièrement, reconnaître les blessures, faire un vrai travail de... je reconnais la colère, l'injustice, je reconnais la trahison, je reconnais l'abandon, je le vis, je l'explore. Je peux vraiment visiter ça pour pouvoir un peu m'en libérer, hein, en tant soit peu, pour renforcer l'estime de moi que j'ai. Hein. Et dans un deuxième temps, je peux vraiment commencer vraiment à faire ces questions du pardon, qui sont une question presque spirituelle, religieuse, le pardon. Le pardon, c'est vraiment, je ne t'en veux plus, je n'ai plus aucun ressentiment, aucune colère vis-à-vis de toi. Mais ça, c'est possible, je vous dis, dans un deuxième temps. On est dans le temps de me départir du moi. Tu vois ? Et là, c'est vraiment le deuxième temps. Et ça, c'est le cadeau final, le cadeau magnifique de la fin de tout le travail de thérapie. Ça, c'est vraiment, je dirais, quelque chose de précieux, mais qui ne peut pas arriver trop tôt. Voilà. C'est pour ça que c'était important d'en parler comme ça. Voilà, bah écoutez, j'ai encore plein de trucs à dire, mais je vais préférer aussi faire un temps de questions-réponses, parce que j'aime bien avoir une interaction. On va en profiter peut-être pour faire une interaction commune, hein, pour répondre aux questions des uns et aux autres selon nos devoirs. On pourrait finir en disant... Alors, attendez, bougez pas. Si vous voulez parler...
Vous parlez avec le micro, qui est... attends, passe le micro. Alors, attends, passe. Il faut qu'il soit vert. Voilà, parce que sinon, ça n'enregistre pas. Je dis qu'on pourrait finir en disant faire le tour de son monde. Oui, voilà, c'est une phrase que je dis sans arrêt. Merci de la dire à ma place. Je l'avais oubliée, celle-là. Je dis sans arrêt cette phrase qui est je fais mon mieux, pas ce que je veux, je fais ce que je peux. Et je peux avoir l'intention d'être dans la lumière avec le don et le pardon, par exemple, hein, d'être vraiment dans des gestes désintéressés, dans le don, dans la générosité, ou d'être vraiment dans quelque chose de je pardonne, je te pardonne, etc. Des fois, c'est pas possible. Des fois, c'est pas aidant, et des fois, c'est juste j'y arrive pas. J'arrête de m'en foutre. Mais tout à fait la vie. Je fais de mon mieux. Oui, on se sent mieux, et c'est là qu'il y a la relaxation. Hein. On fait le mieux possible. Oui. Alors moi j'avais une question, c'était par rapport au ce qu'on se pardonne soi-même, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire je refuse de me le pardonner? Ben, en fait non, rien, c'est juste comme ça que c'est une question qui vient. Il y a des endroits où je pourrais serais pas très stable de me pardonner. Oui. En quoi tu pourrais te nuire à toi-même en étant ce travail de je me pardonne. Je me pardonne de ne pas être à l'auteur, je me pardonne de mon imperfection, je me pardonne d'être ce que je suis, quoi, en fait. Hein. Tout simplement, hein, je ne sais pas comment tu peux te faire de mal. Ça permet de voir ô combien. Parfois de faire ce travail. Je vois où combien j'ai des attentes sur moi. Donc je me pardonne permet de voir où combien je suis avec moi. J'attends de moi. Non, on ne voit pas où il y a des. Juste une question. Quand on fait quelque chose, la différence entre le pardon et la déresponsabilisation. Je me pardonne tout et je me déresponsabilise. Mais c'est une question, hein. C'est pas du tout... la frontière, elle est où? C'est vraiment... Je me pardonne tout et je me déresponsabilise de quoi, par exemple? Ah, mais c'est pas de ma faute et je fais pas exprès et je me pardonne et voilà. Et il y a des personnes qui... J'ai l'impression, hein, mais c'est peut-être une interprétation, que je suis pas psychologue, clinicienne... Qui se servent de cet argument-là pour... Par contre, pardonner à soi-même, effectivement, c'est important parce que sinon, c'est de toute façon, c'est auto-destruction. Juste. Oui, cette question de jusqu'où. Oui, alors après, cette question de la responsabilité, ça va avec la mort aussi. Je me débarrasse de. Toi, par exemple, je me sens coupable. Moi, je le vois. Je donne un exemple parce que j'en ai un en tête là. J'ai vu un couple là, il n'y a pas longtemps. Il y en a un qui dit à sa femme voilà, je préfère te dire que j'ai une maîtresse parce que comme ça, tu vois, je me libère, je me débarrasse. Le mensonge, parce que c'est lourd, je me sens dans le mensonge, j'aime pas, c'est pas beau, donc hop, je me libère, je me sens moins fautif, puisque je te l'ai dit, maintenant je suis plus celui qui ment. Donc je me sens pas, tu vois, il y a quelque chose de. Je me déresponsabilise en me débarrassant de cette affaire. Je mens pas, mais je me sens pas responsable, quoi. Donc je me pardonne en n'étant pas ment. Enfin, il y a un truc aussi dans cette affaire de se déresponsabiliser de ses actes en voulant tout dire, etc. Donc je sais pas jusqu'où. Là, c'était quoi? Se pardonner? Se déculpabiliser? Oui, je suis pas responsable. Mais en même temps, oui, il y a certainement un moment où c'est une manière de ne pas avoir envie de porter un fardeau. C'est lourd de se vivre comme ça, et donc je me débarrasse. C'est pas toujours vu de manière consciente, mais si la personne, c'est un endroit de faire ça,
de se déresponsabiliser de ce fardeau pour alléger son système, elle ne peut pas être autrement que comme ça, parce que pour elle, c'est trop lourd de porter. C'est pour ça que je dis qu'elle n'a pas de choix. À un moment donné, elle n'arrive pas à faire mieux que ça. Et effectivement, ça peut être pas sympa. Si elle a fait ce choix à ce moment-là, elle va se débarrasser de son enfant, c'est un peu lourd, mais c'est elle est à ce moment-là. Côté jeu, on avait ça léger quoi. Ça ne veut pas dire que c'est une déresponsabilité, c'est que ça allait. Non, mais là, parce que c'était un exemple que j'ai donné. Non, c'est là, il se sentait mieux parce qu'il s'était débarrassé du menteur qu'il était, qu'il n'aimait pas être le menteur. Donc il se sentait moins coupable. Du coup, il pouvait gérer parce que c'était ingérable pour lui. Il se sentait un peu mieux. Maintenant, il était son mensonge, tu vois. Donc effectivement, il y a un phénomène de je me sens moins responsable. Je et puis après, il lui avait dit en plus, mais de toute façon, c'est parce que tu fais pas assez bien ceci, pas assez cela, machin, que il y a aussi de ta faute. C'est pas que de ma faute, tu vois. Donc une manière de s'alléger, voilà, de d'envoyer sur l'autre. Mais très souvent, on projette sur l'autre parce que il y a du désespoir, hein, et parce que il y a aussi qui veut s'alléger, qui veut mieux faire apaiser tout simplement. Voilà, c'est trop, donc on donne la. Si les. C'est qu'il faut juste pas faire différent. Et c'est ça que je pointais. C'est cet endroit-là. Je suis en prison, ouais. Conditionnement, et avec moi, qui me veut du bien. Quelque part, pour lui, c'est. Je me protège en ça. Tu vois, je me protège dans le sens que je me veux du bien, parce que ça va m'apaiser. Je me responsabilise. C'est ça. Je me déresponsabilise, mais en faisant ça, il y a une partie de moi qui me protège, qui me fait du bien avec ça. Donc, et c'est cette partie qui n'a pas le choix. Parce qu'on ne fait pas ça pour faire du mal vraiment à l'autre, on fait ça parce qu'on veut se faire du bien à soi-même, on veut se soulager. Voilà, c'est ça. Ah bah oui, oui. Et ce qui n'est pas vu, c'est la fonction protectrice de départ. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas le choix. C'est à un moment donné, la partie qui a dit « bon bah je décide ça, je décide de lui dire que je ne veux plus mentir et je te dis la vérité », cette partie qui a pris le pouvoir à ce moment-là, elle n'avait pas le choix. C'était vraiment parce que je me suis fait du bien avec ça. Même si je te fais du mal. Alors prends le micro, parce que sinon on ne t'entend pas. Je ne sais même pas si on entend. T'inquiète, ça me fait un petit peu, là, j'avais été à une conférence de, bah, justement à Castelnau, et puis c'était un monsieur qui demandait en fin de compte l'approbation de tout le monde pour dire à sa compagne qu'il avait besoin, enfin qu'il a trompé quoi. Il voulait notre approbation pour pouvoir... Oui, ça t'avais fait marrer, oui. Et puis là, tout le monde avait dit d'aller venir que toi. Bah oui. Cette responsabilité. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui. Et oui, c'est sûr. Qui c'est qui dit quelque chose là? J'entends pas. Ouais, qui a une question? Vous n'avez pas de questions? Ou de commentaires? Ou de... Du coup, la question que vous avez demandé tout à l'heure. Ah bah vas-y, bah oui, bah, attends, donne-lui, elle a une question. Mais oui, tu avais une question, exact. Hein, tu vas nous redonner. Oui, j'ai dit on pense ces questions à la fin. Il y avait des questions. Oui, parce qu'il disait que si on devait revenir vers la personne qui nous avait fait du mal, en fait, quand on l'a pardonné une fois, et est-ce qu'on revient vers cette personne-là, en fait? Alors attends. Un peu maso, non? De retourner vers une personne qui... Ah oui, il va te répondre peut-être. Répondre, il va te répondre. Retourner vers la personne. Retourne. Est-ce qu'on retourne vers cette personne? Je pense qu'il vaut mieux ne pas retourner si elle est nocive pour toi. Sur la thématique de l'alcool,
Peut-être un couple où la personne voit, où elle se fait frapper, ou lui se fait frapper par la femme, c'est certain que c'est dans la cause, parce que même si elle part, elle viendra et lui pareil, quoi. C'est pour ça, oui, moi j'ai dit à un moment donné, tu as un bon exemple là, par exemple, tu es alcoolique et on sait bien que ceux qui sont sous l'emprise de l'alcool, ils font pas exprès. Enfin, ils font pas exprès. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a déni et derrière, je m'en veux de t'avoir fait ça. Et. Et dans l'instant, il y a de la sincérité. C'est juste qu'il y a. Ça. Donc du coup, si tu crois, si tu pardonnes, c'est ce qu'il disait, si tu pardonnes trop vite, en étant vraiment dans l'empathie, en étant dans s'il le dit, c'est que c'est vrai, bah oui, c'est vrai dans l'instant. Mais il faut prendre un certain recul en voyant que la personne, elle peut pas faire mieux, elle est pas vraiment libérée là. Donc à ce moment-là, si tu poses pas tes limites, le pardon, il est trop tôt. Je te pardonne trop tôt parce que je ne prends pas en considération que tu es vraiment pris dans une addiction. L'addiction, c'est lourd. Tu ne te sépares pas d'une addiction en 2-3 mouvements. Ça prend au moins 5 ans, hein, avec tout un travail. Même si je t'aime beaucoup et que je comprends que tu me veux du bien quelque part, même si tu me nuis à un moment donné et que tu ne peux pas faire autrement, j'entends ça et je ne vais pas te pardonner trop vite. Si je te pardonne trop vite, ça veut dire que moi, dans mon équipement, et je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas poser mon nom, je ne sais pas poser mes frontières. Donc j'entretiens, je reste avec quelqu'un qui est dangereux pour moi. Et donc il n'est pas question de pardonner trop tôt. Il est question ici de récupérer, si on parle de cette femme, son équipement de réponse d'attaque. Non, je mets un stop, je mets mes frontières. Et même si tu me dis que tu ne vas pas le refaire, etc., bon, j'y crois pas. Ou alors je demande vraiment à voir. Mais j'y crois pas. Et je me protège. Et je ne reste pas dans cette relation de maltraitance parce que j'ai récupéré ma capacité du stop. Mais si je suis dans une relation comme ça où je pardonne trop vite, c'est parce que, en tant qu'enfant, j'ai été aussi abusée, etc., et que j'ai perdu cette réponse du stop. Et donc c'est pour ça qu'on voit des couples comme ça symbiotiques entre un dominant, un dominé, un alcoolique et une femme qui n'arrive pas à s'en sortir, ou l'inverse, hein, ou un homme, une femme, enfin là je donne des exemples, mais ça peut être dans une femme, un homme, peu importe, mais c'est des relations qui s'enchevêtrent, qui s'enchaînent comme ça, parce que les deux s'emboîtent. Il n'y en a pas un qui arrête la relation et qui est capable de dire, toi, et le pardon à ce moment-là est beaucoup trop tôt. Et on peut pardonner, malgré tout, à un endroit où on fait l'alliance avec la petite personne. C'est-à-dire à un endroit où on voit que cet homme, par exemple, la police, est tellement traumatisé qu'il ne peut pas faire mieux que ça. Et qu'on peut, à un endroit plus haut, ne pas lui en vouloir, comme mon pervers narcissique, c'est le même truc. Je ne peux pas lui en vouloir d'être comme il est. Je vois la toute petite personne qui est derrière, qui est archi-fragile, déstructurée, et qui est donc, du coup, sous l'emprise de l'alcool. Mais ça ne veut pas dire que je vais relationner avec et lui pardonner et vivre avec et ne pas me protéger, tu vois. Hein? Et là, on revient dans le don, dans l'offrande, dans quelque chose de... voilà, je peux aimer même quelqu'un qui me veut du mal, mais tu vois, à distance, ouais, dans le cœur, tu vois, mais pas me faire souffrir. Mais ça veut dire que j'apprends à me protéger. Voilà mon truc. Effectivement, elle a tout à fait raison. Tu restes pas avec quelqu'un qui est nocif pour toi. Mais encore faut-il comprendre que des fois, tu peux pas t'empêcher. Tu sais qu'il est nocif et t'arrives pas à dire stop. Et ça, c'est normal parce que tu as perdu un équipement du stop. Donc, tu ne peux pas non plus t'en vouloir de pas savoir dire stop à certains moments. Et c'est pour ça que d'abord, la plus grande chose à faire, c'est se pardonner à soi-même d'être comme on est. Je fais pas exprès de pas mettre un stop. Je ne sais plus faire. Voilà. Tout s'enchaîne là-dedans. Mais merci pour votre question, c'est une très bon exemple, hein, de cette complexité de je te pardonne. C'est notre inconscient en fait, qui fait ça. Oui, notre inconscient, il nous met... Justement, parce que quand on était enfant, on a subi des choses difficiles, négatives. Et en fait, c'est notre inconscient qui prend le dessus. On a l'impression. C'est pour ça que, comme tu dis, qu'on doit s'accepter. C'est parce que c'est notre inconscient qui est 10 fois plus puissant que notre conscient, en fait. Oui. C'est comme la Tour Eiffel. Oui. C'est comme une Nintendo quand on la pose. Oui, c'est joli. Voilà.
c'est oui. Notre conscience, c'est la Nintendo, et la Tour Eiffel, c'est l'inconscient. On n'a pas de pouvoir, quoi. Et même si on lutte de toutes nos forces et qu'on veut à tout prix abattre cette Tour Eiffel, et dire pourquoi on a agi comme ça, mais en fait c'est plus fort que nous, quoi. C'est plus fort que nous. Tu as tout à fait raison. C'est souvent, on peut pas s'en empêcher. On est pulsionnel. On est dans les deux. Pas exprès. C'est vrai que le travail de thérapie, il aide à se libérer un peu de tous ces traumas du passé. Mais je dis sans arrêt, à un moment donné, des fois, les inscriptions, elles sont costauds. Elles restent inscrites. Ouais, elle ne lâche pas l'affaire. Ça fait notre style. Hein. À un moment donné, on arrête de s'en vouloir d'être comme on est. On ne se libère pas de tout, c'est pas grave. On fait la paix avec son conditionnement. On dit, oh, c'est moi, je suis encore blessée. Oh, d'accord. C'est une partie de moi. Nos blessures font partie. J'arrive pas à me pardonner, oui. Parce que aussi, je veux me pardonner. Mais carrément. Je veux me pardonner. Nos blessures sont anciennes. Tous, on est tous. On est tous blessés. On est tous blessés. Tu fais comme ton yali, tu fais de ton mieux. Hein. Mais des fois, ça grippe à toi, ta blessure. Là. Je peux pas être aimée. Moi, je le vois, moi, j'ai le truc, je peux pas être aimée. Mon disque dur. Sans arrêt, des hommes qui me disent que tu m'aimes. Sans arrêt, ça a été toute ma vie, ça. Les hommes ont passé leur temps à me dire qu'ils m'aiment. C'est de fou. Je passe mon temps à me dire, moi, tu m'aimes bien. Et je le sais. Peut-être qu'un jour, faudrait un mec qui s'appelle. J'ai 30 ans de thérapie sur ce machin. Et ben, à chaque fois, je me fais avoir. Donc, et je vois. Et quand je me fais avoir, je vois. Et mon frère me dit, oh, mais ça y est, je recommence. Voilà. Il a refait 20 ans de thérapie. Non, j'ai donné. Ça ne m'empêche pas de me faire des séances. Mais à un moment donné, je comprends ce mécanisme qui fait que bah voilà, c'est tellement inscrit, c'est tellement agité, que ça me reprend, ça me surprend, ça me possède, ça, voilà, ça, à l'instant T, j'ai pas le temps horrible. De venir, ah, c'est là, bon bah voilà. Et bah voilà, donc je me... Oui. Le premier accord, ça. C'est ne pas prendre. Premier accord. La parole impeccable, ça pour se l'entendre toujours pareil, bah, Paul le croit. Ouais. Toltec, j'ai pas dit Toltec. Hein. Non. Premier accord, Toltec. Là, ouais, la France l'entend toujours. Tu es beau. Enfin, tu le crois. Non, c'est à moi qu'on le dit. Hein. C'est pas à toi, c'est à moi qu'on le dit. Voilà, désolé, j'ai oublié Toltec. Et vous étiez esprit Toltec. Mais c'est vrai que puisqu'on est sur les accords Toltec, bien personnellement et arrêter d'interpréter. Mais c'est vraiment les deux là, pas le temps de perso. C'est tout le thème de notre conférence du soir. Pardon, on est vraiment là-dedans. Parce que je dois arrêter de le prendre perso. Parce qu'en général, on ne peut pas s'empêcher la plupart du temps, parce qu'on a été des enfants blessés, de le prendre pour nous. C'est nous qui clochons, c'est nous qui faisons faux. Je vous rappelle, c'est pas le parent, c'est nous. Il faut penser à ce nous. Et oui. Il faut penser à ce nous. Et on projette sur l'autre, que l'autre, on interprète, on projette. C'est forcément nous qui faisons un truc faux, et c'est forcément l'autre qui est une bonne personne. Ouais. Voilà, on n'en a jamais fini avec ça. Mais le boulot, il est jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ta mort. Donc à un moment donné, tu te rends compte et tu fais la paix. La paix, c'est de te rendre compte que ça va à l'infini, que le connais-toi toi-même, que l'introspection, c'est une histoire sans fin, que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire d'ailleurs. Même la seule chose qu'on puisse faire, c'est de se connaître soi-même, qui fait qu'on ne se connaîtra jamais. De toute façon, complètement, ça c'est juste pas possible, de nouveau c'est utopique, mais que c'est pas grave. Bah qu'est-ce qui est chouette, c'est de se questionner, c'est de s'introspecter, c'est de chercher, c'est d'être en prise avec ce mouvement de la vie qui est, je regarde ça. Et ce qui est surtout apaisant pour moi, c'est à un moment donné, plutôt que de chercher même à comprendre ou à se connaître, parce que ça c'est encore une étape, c'est d'être simplement dans une écoute. Une écoute, c'est je ne suis que pure perception, pure sensation, pure émotion. J'écoute ce que ça me fait de vouloir chercher, de vouloir me comprendre, de vouloir me connaître, de vouloir prétendre. J'écoute simplement ce mouvement.
de contraction, d'expansion. Tu vois ? Cette pure écoute, ça c'est vraiment vivant. C'est même, c'est quand on arrête de chercher, tu vois, le chercheur arrête de chercher. Le chercheur arrête de vouloir aller quelque part. Arrête de vouloir aller dans la paix. Arrête de vouloir se libérer. Arrête de vouloir tout comprendre. Arrête de vouloir tout nettoyer les blessures. Arrête, voilà. À un moment donné, c'est la pure écoute, et là, ça fait. Parce que dans cette écoute, il y a tout. Il y a l'amour. Dans cette écoute, il y a le tout. Voilà, je crois que j'ai conclu. Mais le pire, c'est que c'est des vies, en fait. Hein. Oui. Alors après, c'est toute une vie. Là, mais je ne vais pas rentrer c'est dans vies les... et des vies, du coup. Je ne rentre pas dans les croyances autour. Non, mais c'est vraiment. Ouais, c'est karma, des réincarnations, je ne sais pas. Mais simplement, j'étais vraiment dans la. Regarder au-delà de la volonté de pouvoir même ce qu'on fait, ce soir, d'écouter, de comprendre, de chercher. Hein, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez un goût de la recherche, un goût de creuser, un goût de la connaissance. Mmh. Je m'appelle chercheur de vérité, chercheur de quelque chose, d'introspection, sinon vous n'êtes même pas là, vous en foutez, vous allez faire un machin de danse, bachata, nanana, et puis vous allez boire un coup, voilà, et puis tout va bien pour vous, et c'est aussi bien d'ailleurs, y a pas de, on n'a pas besoin d'un souci. C'est ce que j'allais dire, c'est aussi bien. Et c'est aussi bien, il n'y a pas de problème avec ça. Là, il y a déjà un jugement. Mais c'est pour ça que je ne juge pas, je dis mais c'est aussi bien. Hein. Et même quand on. C'est pour ça que je t'ai dit, s'il n'y a plus écoute, à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose. L'instant T. Voilà, c'est l'écoute de ce, qui se, de ce qui se meut, de ce qui s'anime, le goût, hein, le goût de. Voilà, le goût d'être, de façon, d'être là ce soir. Vous n'avez pas de choix. Si vous êtes là, c'est que vous avez des goûts, des préférences, des tendances, ça vous intéresse. Et voilà, vous avez cette curiosité. Il n'y a pas de choix, ça. Vous seriez né en Afrique avec des parents comme ça, vous préféreriez faire d'Azuba ou pas quoi. Et alors, c'est pas un problème. Donc c'est pour ça que c'est important de voir. Et après, à un moment donné, lâcher, relâcher, c'est vraiment aller nulle part. Quoi. C'est juste écouter les mouvements qui nous animent, de contraction, d'expansion, de joie. Et si vous avez de la joie à chercher, comme moi, là, c'est super. Quoi. Sentez la joie, sentez la joie. Qu'est-ce qui est vivant? C'est sentir. Ça ne veut pas dire mentaliser, c'est pas bien. Mais sentir qu'on aime mentaliser. Sentir le mot. Voilà. Pure sensation. Et je vous partage ça. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais aborder aussi cette thématique du don et du pardon à partir d'un angle plus psychologique. Mais déjà en introduction, je voudrais dire que quand on parle déjà rien que les mots don et pardon, hein, qui ont en commun le côté d'un mouvement qui va vers l'extérieur, hein, c'est donner et pardonner, c'est un mouvement qui va vers les autres, hein, même si quand on regarde bien le don, il y a quelque chose de l'ordre d'un mouvement qui va de moi vers quelqu'un d'autre. Et Non, il marche mon micro, il n'y a pas de problème. C'est le micro de la caméra, donc il n'y a pas de souci. Et quand on est dans le pardon, on est plutôt dans je relâche. Il l'a dit, hein, je relâche, j'apaise quelque chose, je guéris ma blessure. Hein, il y a quelque chose qui s'abandonne ici. Hein. Et donc, on est comme dans l'inspire et l'expire. Et pour moi, dans pardon, vous avez don aussi, pas don. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se rencontre dans le don et le pardon, qui est en commun, dans cette forme d'inspire et d'expire. Hein, je donne, j'inspire, on pourrait dire j'expire, je pardonne, je relâche. Hein, il a parlé de paix intérieure, il y a quelque chose qui se détend profondément. Dans mon développement, vous verrez que je vais faire la part des choses. Une première partie autour du côté lumineux un peu, hein, de ces notions de don et pardon, c'est-à-dire la face, on peut dire la face pile, il y a toujours pile et face, hein, on est dans le monde de la dualité, donc il y a toujours le beau côté des choses, la partie noble, belle, magnifique, du don et du pardon. Les avantages, on pourrait dire ça comme ça, et puis la face nord, hein, qui est l'autre côté de la pièce, qui est la partie ombre du don et du pardon, jusqu'où, on parlait de don désintéressé, hein, jusqu'où, quelle est la limite du don désintéressé, à partir de quel endroit de moi je donne, jusqu'où le pardon est-il vraiment bénéfique.
À quel moment, hein, vraiment, est-ce que le contexte du pardon, vraiment quelque chose qui est avantageux et qui est libérateur systématiquement pour la personne, si nous sommes tentés de pardonner aux uns et aux autres. Donc jusqu'où la limite, je vais dessiner la limite du don et du pardon, à la fois dans la face lumineuse et à la fois dans la face ombre, la face cachée, qu'on ne rencontre pas toujours et qui est souvent méconnue, même quand on se veut altruiste, par exemple, généreux, même quand on a très envie de pardonner, parce qu'on se dit, voilà, c'est super, si je commence à pardonner, je vais m'apaiser, on le fait pour soi souvent, hein. Je vais libérer des choses, je ne vais pas entretenir des contentieux, de la colère, du ressentiment, donc ça va aller mieux pour moi, hein. C'est dans la notion du pardon, ça a été dit, mais je le redis, il y a beaucoup la question ici de guérir de ses blessures, de ne pas entretenir une souffrance inutile. Donc de se libérer en fait, de se décontracter, hein, de relâcher quelque chose. Et vous verrez que dans mon développement, à un moment donné, je vous dis oui, très bien, mais jusqu'où est-il intéressant, constructif, d'utiliser le pardon et à quel moment il ne faut absolument pas, et là c'est ma vision de psychologue, hein, pardonner à tout craint, du matin au soir, du soir au matin, voilà. Il y a des moments où c'est pas une bonne idée du tout de pardonner, et il y a des moments où c'est une très bonne idée de pardonner, et c'est très libérateur. Donc je vais prendre un petit temps pour développer ça. Alors, au jour d'aujourd'hui, si j'embraye sur la notion du pardon, puisque j'étais dessus, vous savez qu'il y a une mode des cercles de pardon. Enfin, je sais pas si vous le savez, mais enfin, je vous informe, hein. Donc, évidemment, ce sont des termes qui sont aussi imprégnés de religiosité, hein, don et pardon. Hein, ça, tout, c'est pas nouveau. Dans toutes les religions traditionnelles, le don et le pardon sont des critères qui nous anoblissent, qui nous rendent, honorables, honnêtes, magnifiques, beaux. Donc ça va aussi, là, il en a parlé, mais je le redis, ça va aussi agrandir notre belle image de nous, donc notre moi, notre ego. Hein, ça fait joli sur le CV, quoi, en clair, d'être dans la générosité, dans le don, dans le pardon, voilà, ça fait joli. Et c'est aussi, alors ça a toujours existé à travers les religions, mais c'est repris à la mode encore aujourd'hui, du développement personnel, de la psychologie positive, du mouvement New Age. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, hein. Je ne suis pas en train de faire la critique de ça, je suis en train de dire, regardez, sociologiquement parlant, à notre époque, ces notions de don et pardon sont récupérées pour des effets soi-disant avantageux pour l'individu, hein. Et donc il y a un succès monstre des cercles de pardon. Donc je vous explique en deux mots ce en quoi ça consiste. Ce sont des grands cercles de 40 à 50 personnes. Ça a été initié par Olivier Clair, hein. Et donc ils se mettent en cercle, parce que le cercle c'est doux, c'est rond, c'est fusionnel, voilà, donc on se met en cercle, et on se met en face de quelqu'un, puis on passe de l'un à l'autre, et l'idée c'est de dire je te pardonne, je me pardonne, voilà, et je pardonne aussi à mes ennemis, je pardonne à Dieu, je pardonne au diable, je pardonne aux institutions, je pardonne aux membres de ma famille, je pardonne à mes amis, je pardonne à... Enfin bref, voilà. Donc, alors vous souriez, mais il y a quand même un... C'est loin d'être idiot, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion, quand on le fait, bon, moi je l'ai pratiqué, j'ai essayé, j'ai expérimenté ce truc-là, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de « je me libère ». En faisant ça, vraiment, c'est pour ça que ça a autant de succès. Hein, c'est pas un hasard, ce truc-là. Rien que le fait de le nommer, il y a l'expire, en fait. Je relâche quelque chose. Donc, ça, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un énorme succès de ce truc-là, qui fait que ça permet à relaxer, c'est vrai, à relaxer quelque chose, à apaiser des blessures qui sont entretenues, en veux-tu, en voilà, pendant des siècles, et ça, c'est pas une bonne idée. Mais en même temps, la limite du truc, c'est qu'on pourrait croire que en faisant ça, on est complètement guéri, voilà, tout va bien,
ben voilà, je garde pas rancune, donc je fais fi de mon passé, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Je peux faire un deuil, si je pardonne, je peux ouvrir une nouvelle page de ma vie. Bon, si j'ai, par exemple, sur la relation amoureuse, voilà, j'ai un ex que j'arrive pas, j'ai du ressentiment, il m'a trahi, c'est dégueulasse, etc. Donc voilà, donc à un moment donné, je me libère des liens qui nous enchaînent, en fait, hein, qui nous entravent, en pardonnant, hein, en faisant ce rituel, parce que ce sont des rituels de pardon. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se véhicule comme ça, à travers ces cercles de pardon, c'est que ça va se... Voilà, je me libère des liens enchevêtrés entre lui et moi. Bon, ça peut être entre mes ancêtres et moi, enfin, qui vous voulez, hein, entre la personne avec qui vous avez des liens tendus, ou des rancœurs et des ressentiments, et avec vous-même. Et donc... on peut vraiment imaginer à un moment donné qu'en faisant ça, en faisant ces rituels, bon voilà, on se libère une fois pour toutes, on peut avancer, on peut passer à autre chose, voilà. Alors pour ma part, c'est super chouette, mais ça me paraît un peu simpliste de s'en arrêter là. Parce que vous avez remarqué qu'une fois que c'est fait, enfin pour ceux qui l'ont pratiqué, hein, qui ont déjà fait des rituels de pardon, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, ok, ça peut libérer pendant un moment, mais très souvent, il va y avoir un autre déclencheur, un autre stimuli, moi j'appelle ça un stimulus, une autre situation, une autre personne qui passe par là, qui va réactualiser des projections du passé, enfin des choses qui vous appartiennent du passé, qui vont se remettre à jour. Bon, c'est peut-être un peu confus ce que je raconte, mais par exemple, bah, je ne sais pas, vous avez été trahi, d'accord, par un homme. Bon, si vous êtes une femme, vous avez été trahi, bon, je prends un exemple classique, où une femme a été trahie par un homme, ou un homme a été trahi par une femme, bon, bref, un truc de trahison, par exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Et donc, à ce titre-là, bah, vous faites un rituel du pardon. Ok, donc hop là, ça y est, et puis vous y arrivez, vous découpez les liens, et d'un coup il y a quelque chose qui se relâche, super magnifique. Bon, mais il faut voir qu'il y a quelque chose qui a été internalisé en vous, dans la sensibilité à la trahison, et ça c'est pas neuf. Donc un autre déclencheur passe par là, une prochaine personne qui passe par là, qui vous stimule à cet endroit-là, et hop, Mars et ça repart. Vous repartez, et c'est le même phénomène, le mécanisme. Alors, ça, c'est sans fin, l'histoire. C'est pour ça que ces rituels du pardon ont des avantages, certes, mais jusqu'à un certain point, parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est là la version psycho que je vais aborder, c'est que nous avons à l'intérieur de nous des facettes, des sensibilités qui font que... il ne faut pas grand-chose pour que ça se déclenche. Et ces sensibilités, qui sont des blessures, soit d'humiliation, soit de trahison, soit d'abandon, soit d'injustice, sont stimulées assez facilement. Pourquoi ? Parce que l'enfant qu'on a été, en fait, a vécu des situations relationnelles. Dans l'enfance, vous avez eu plein de relations, que ce soit au père, à la mère, vous avez eu des relations avec vos petits frères, vos petites sœurs, vous avez eu des relations avec la famille, vous avez eu des relations avec vos chiens, vos chats, vos animaux préférés, des chevaux, vous avez eu plein de relations. Bon. À chaque fois que vous avez des relations, et notamment dans un environnement qui n'est pas forcément un environnement chaleureux, aimant, chouchoutant, etc., vous allez intégrer quelque chose de ça. Vous allez internaliser quelque chose de ça. Par exemple, vous pouvez avoir un père qui était maltraitant ou qui vous critiquait, qui vous encourageait pas assez, et vous avez été sa victime, par exemple. Donc vous avez internalisé un côté, une posture de victime face à un grand qui vous critique. Donc il y a quelque chose qui est déjà là. Et à chaque fois qu'il y a un stimuli sur votre parcours de vie, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui stimule le genre papa, critiquant, jugeant, eh bien ça va se réenclencher ce machin-là. Pareil, alors vous pouvez, voilà, je parlais d'un père qui critiquait, vous pouvez avoir été dans une posture de victime à ce moment-là, ou dans une posture de bourreau vis-à-vis du petit chat que vous aviez et que vous jouiez au bourreau avec ce chat, ou alors avec votre poupée, hein, par exemple. Hein, donc, selon les relations qu'on a eues, on a expérimenté des différentes postures.
bourreau, victime, des relations, plein d'autres types de relations, des relations tranquilles, agréables, de sérénité, de joie, ou des relations aussi de vraiment d'agrippement, des choses comme ça. Donc on a plein de types de relations qui sont internalisées, ce qui va donner une coloration de plein de facettes de nous-mêmes. Et selon les personnes qu'on rencontre, elles vont déclencher de nouveau les mêmes types de facettes, de polarités en nous. Donc on pourrait dire qu'on est plein de polarités, on a toutes les facettes en nous, mais on ne le sait pas. On est tout le temps déclenché par les mêmes choses. Bourreau, victime, vous retrouvez sans arrêt ce truc-là. Et pourquoi est-ce que ce rituel du pardon est intéressant, mais à ses limites? Parce que quand vous pardonnez pour cette personne-là, pour cette situation-là, mais comme c'est approprié, comme c'est interne et que c'est mis à l'intérieur de votre disque dur, à chaque fois qu'il y a une personne qui restimule, paf, ça redéclenche. Donc ça veut dire qu'il vous faudrait passer votre temps à repardonner, à refaire le processus. Et pourquoi pas, hein ? Mais ça ne va pas guérir ou soigner complètement cette histoire. Ce qui est le plus simple à faire, c'est un vrai travail d'introspection qui est de regarder toutes les postures que j'ai en moi et les postures que j'utilise le plus. Par exemple, il y a des personnes qui sont le plus dominantes ou des personnes qui sont plutôt victimes ou contrôlantes ou dominantes ou plutôt victimes. Et donc, à ce titre-là, je regarde ce qui apparaît le plus chez moi. Et est-ce que je peux jouer autre chose que ça, ou est-ce que je reste toujours sur mon truc de j'ai besoin de me méfier, d'être dominant, ou je suis une petite chose fragile et je me fais toujours maltraiter, je dois être plutôt victime, etc. Et j'entretiens ce truc-là. À mon avis, pour la question du pardon, ça peut être intéressant de regarder un tout petit peu plus loin que simplement de s'en arrêter à ces rituels du pardon qui sont assez classiques au jour d'aujourd'hui et qui ont leur intérêt, mais qui, à mon avis, ne suffisent pas pour s'en libérer totalement. Puisque je suis sur le pardon, je vais quand même continuer. Pour moi, l'avantage vraiment du rituel du pardon, c'est effectivement de s'apaiser, mais c'est surtout de se pardonner. Moi, il y a un truc que j'aime bien et que je vous invite à faire. Pardonner aux autres, je vous dirais comment je fais pour pardonner aux autres, parce que j'ai compris un truc il y a longtemps et que ça marche très bien. Mais je vais juste faire un petit point sur, avant de dire pardonner aux autres, comment se pardonner à soi-même. Parce que pour moi, un des chemins les plus difficiles qu'on a tous à faire, c'est ce chemin de bienveillance par rapport à soi. C'est comment je suis en capacité d'accepter mon imperfection, ma médiocrité, ma nullité, ma petite chose que je suis, alors que je me veux... Notre moi aime se sentir élevé, notre moi aime se sentir important. On parle de l'ego, moi j'aime pas trop le mot ego, mais on aime bien se sentir quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui est comme ceci, qui est comme cela, qui réalise, qui est généreux, qui sait pardonner, enfin quelqu'un qui est bien quoi, quelqu'un de bien, voilà. Et donc à ce titre-là, on se veut toujours en haut des hautes sphères là. On a un idéal de moi, je le dis souvent, assez élevé. Et se pardonner à soi, c'est arrêter de lutter contre soi-même, c'est se dire, c'est s'accepter là-dedans, c'est se dire, je veux toujours être là-haut, en haut de l'affiche, mais j'y arrive pas parce que personne peut y arriver, parce que c'est juste pas possible. Je veux maîtriser, je veux me maîtriser, je me surveille, c'est surtout soi, on est souvent plus exigeant avec nous-mêmes qu'avec les autres, n'est-ce pas? Et souvent plus tolérant avec les autres qu'avec nous-mêmes, donc on est souvent dans un niveau d'exigence vis-à-vis de soi qui est juste énorme. Et ça, c'est normal et c'est légitime. D'être en sévérité par rapport à soi, d'être notre propre tyran. Pourquoi c'est légitime? Parce que quand on était petit, je reviens toujours à ces histoires d'enfance, mais c'est tellement vrai, quand on était petit, et quand on nous critiquait, par exemple, on ne pouvait pas s'imaginer que c'était l'adulte qui nous critiquait ou qui nous grondait, faisait faux. On l'a pris vraiment perso. Voilà, on l'a pris pour nous, parce qu'on ne peut pas imaginer que le grand nous veut du mal. Le grand est là pour nous protéger. Voilà. Et on n'a que lui en référence. C'est nos piliers de sécurité, papa ou maman. Donc, on n'a pas envie de se séparer du lien de papa-maman. On va d'abord protéger ce lien à tout prix. Donc, on ne va pas éprouver du ressentiment pour eux ou de la colère pour eux quand ils nous critiquent, quand ils nous dévalorisent, quand ils nous rejettent, quand ils nous maltraitent. Même la maltraitance.
Quand on est enfant, on a beaucoup de mal à en vouloir à nos parents parce qu'on veut protéger ce lien à tout prix. Ça en va de notre survie. Donc, on va être empathique avec eux, on va les protéger, on va vouloir garder ce lien à tout prix. Et c'est pour ça qu'en tant qu'adulte, pourquoi est-ce que, moi je le vois beaucoup en thérapie, hein, pourquoi est-ce qu'on est très empathique vis-à-vis de nos parents maltraitants, hein, si vous avez eu des parents maltraitants quand vous êtes des grands, vous les excusez souvent. Très souvent vous dites « Ah oui, mais bon, je comprends, ils ont eu une enfance difficile, mes parents, donc c'est normal qu'ils me critiquaient, qu'ils me tapaient, qu'ils me hurlaient dessus, moi je les comprends, je les comprends. » Alors oui, vous les comprenez, sauf que vous les comprenez, certes, mais il y a un endroit où vous ne reconnaissez pas la blessure. Pourquoi vous ne pouvez pas reconnaître la blessure, c'est-à-dire que vous avez été victime de ça et que ce n'était pas juste? Parce que l'enfant veut garder le lien à tout prix. Hein, elle veut protéger d'abord le parent et il va dire oui c'est vrai, c'est moi qui méritais la fessée, c'est vrai, c'est moi qui méritais puisque papa ou maman me disait que je méritais, c'est que c'est vrai. Hein, donc cette histoire de pardonner, bien souvent, elle n'est pas juste, c'est pour ça que je suis en train de parler du pardon, combien c'est pas juste de pardonner trop vite quand on est des adultes, quand on a été blessé, maltraité, etc., critiqué, jugé. Pourquoi ? Parce que très souvent, être trop empathique avec ses parents, pardonner tout et trop vite, c'est une manière de ne pas reconnaître le ressentiment qui nous habite. Et tant que ce n'est pas reconnu, tant qu'on ne reconnaît pas la victime qu'on a été, tant qu'on n'a pas été visiter vraiment la blessure qu'ils nous ont infligée et combien ça a été douloureux, hein, c'est une manière de mettre un pansement, de taire, de méconnaître, hein, de minimiser ce qu'on a vécu, hein, et de pardonner trop vite, ça ne nous permet pas de guérir de cette blessure. Parce que qu'est-ce qui va permettre de se libérer vraiment? C'est pas le pardon tout de suite. Si je pardonne trop vite, à ce moment-là, je ne peux pas récupérer, par exemple, ma réponse d'attaque qui a été perdu, hein, quand j'ai été enfant maltraité ou pas encouragé, dévalorisé ou négligé, hein, et ben j'ai pas pu riposter, j'ai pas pu m'énerver contre cet adulte parce que cet adulte c'était mon parent et je voulais d'abord être aimée de lui, ne pas me couper du lien et je l'ai protégé. Donc j'ai pas pu attaquer mon parent, j'ai pas pu me mettre en colère contre lui. Ça, c'était juste pas possible. D'abord parce qu'il était plus grand que moi et que sinon il me massacrait. Et petit 2, je voulais protéger le lien. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant? Je vous l'ai dit, il prend pour lui. C'est moi qui ai fait faux, c'est moi qui suis nulle, c'est moi qui mérite, c'est moi qui suis une mauvaise personne. Et c'est comme ça qu'on grandit avec ces constructions-là. Et c'est pour ça que pardonner tout de suite à nos parents à l'âge adulte sans avoir fait un vrai travail de thérapie qui est « je reconnais la blessure » et je récupère ma réponse d'attaque, je suis en colère contre ces... Non, c'est pas vrai, c'est pas juste. Ça aurait pas dû se passer comme ça. À aucun moment, les parents sont pas là pour nous massacrer. Les parents sont pas là pour massacrer les enfants. Ils sont là pour nous protéger, les grands. Hein, moi, j'ai une grande sensibilité vis-à-vis des enfants et des enfants intérieurs de mes patients. Et donc, à chaque fois, je dis, mais non, il y a quelque chose à reconnaître avant de pardonner. En veux-tu, en voilà, dès le départ. Bah oui, je comprends, je suis empathique. Mes pauvres parents, avec tout ce qu'ils ont vécu. Bah oui, on comprend. Alors, ça n'empêche pas l'empathie. Mais à un moment donné, c'est trop tôt dans la thérapie de pardonner sans avoir fait le vrai travail de « je reconnais la blessure, je reconnais et je me mets en colère contre cette famille qui n'a pas été à la hauteur de mes besoins d'enfant, qui n'a pas su me protéger, que ce soit père ou mère, parce que très souvent, il y a le père d'un côté et la mère qui est co-responsable, ou il y a un des deux parents qui est co-responsable de laisser la maltraitance s'installer, hein, en laissant faire. Donc ça, il faut regarder, il faut visiter, sentir dans sous son être, hein, d'adulte, hein, quand vous avez été maltraité, déprécié, etc. C'est vraiment reconnaître cette blessure qui a été infligée avant d'en passer par le pardon. Le pardon, c'est la phase finale. C'est le cadeau de la fin de la thérapie. C'est le cadeau après la reconnaissance de la blessure. Mais sinon, si vous pardonnez trop tôt, très vite, vous ne pouvez pas vous libérer. Ça ne fera pas cet effet d'apaisement tant attendu, qui est « je relâche, je m'abandonne, pff, enfin c'est bon, je me libère des chaînes du passé, je n'ai plus de rancœur ». Voilà. Si c'est fait trop tôt,
je vous assure, parce que je le vois sans arrêt dans mon cabinet, quand c'est fait trop tôt, ça ne peut pas faire cet effet-là. Parce que vous allez être restimulé, en veux-tu, en voilà, et vous n'avez surtout pas récupéré cette fameuse réponse de combat ou de fuite qui a été bloquée au moment du traumatisme ou des multi-traumatismes pendant votre développement d'enfant. Parce que vous n'avez pas pu répondre et attaquer votre parent, c'était juste pas possible. Et ça, c'est bloqué. Et c'est pour ça, quand cette réponse de combat est bloquée, on va trouver quoi chez l'adulte ? On va trouver des adultes qui se font rentrer dans leurs frontières, qui sont même tellement gentils, sont gentils. Un gentil garçon, gentille petite fille. Ça va donner, d'ailleurs, ça va me faire le parallèle avec le don. Hein, les gens qui sont très donnants, très généreux, très empathes, très altruistes, très perméables aux émotions, très émotionnels, comme ça, etc. Souvent, ce sont des personnes qui ont perdu leur réponse d'attaque dans leur équipement. La réponse de combat. Parce qu'enfants, ils n'ont pas pu faire ça. Donc, c'est perdu dans l'équipement. Donc c'est à récupérer cette réponse, évidemment ça c'est un travail qu'on fait en thérapie, pour pouvoir ensuite arrêter de jouer une carte et une seule, qui est la carte de la générosité, de l'amabilité, d'être au service. Hein. Parce que si j'ai pas de réponse d'attaque, je sais pas dire non. Je sais pas être soi-disant méchant, c'est pas de la méchanceté, c'est mettre mes frontières, c'est dire stop. Et donc, je ne sais pas riposter, je ne sais pas attaquer, et je vais être gentil. Et il y a l'excès du trop gentil, voilà, ça. Et ça me permet de faire le parallèle avec le don. Alors, dans le don, il y a le donnant, il y a le donneur, hein, il y a celui qui aime donner. Il y a un goût du don. Comme il le disait si bien, est-ce que c'est un vrai don ou un faux don ? Jusqu'où c'est un don gratuit et désintéressé ? Jusqu'où c'est un don pour obtenir quelque chose ? Chercher quelque chose, soit pour son image, hein, pour anoblir ma belle image de celui qui est donnant, généreux, ça fait joli, hein, ça fait chic sur le CV, moi je suis une belle personne. Soit, et ça, c'est pas toujours vu, c'est les zones d'ombre. Hein. C'est pour ça que j'en parle. Ce n'est pas reconnu par l'individu, souvent. Quand c'est reconnu, c'est assumé, tout va bien. De quel endroit ça part de moi que je suis le donneur, le donnant, le généreux ? Voilà. Où est-ce que c'est pour si je donne, en retour, je vais être aimée. Plus je donne, plus je vais m'adapter, plus je vais être cheese, plus je vais être aimable, etc. Plus je vais être au service, plus je vais récupérer de l'amour en face, hein, parce que plus je donne, plus je reçois, il y a ce truc-là. Et plus je donne, plus je suis dans le plaisir de donner, plus ça me fait plaisir aussi. Mais je ne vois pas que souvent, dans ce plaisir que j'ai à donner, je récupère une force, je récupère de l'énergie. Je récupère de l'amour. Donc en fait, j'utilise l'autre pour me faire du bien, pour me faire plaisir. J'utilise l'autre pour être aimé. Et je le dis, hein, parce que quand c'est assumé, ça relâche. Quand c'est pas assumé, c'est une zone d'ombre qui est pas vue. Hein, je ne reconnais pas que j'utilise l'autre pour mon propre plaisir. Je ne reconnais pas que je l'utilise, donc quelque part je le manipule, hein, me sentir importante, hein, donc je t'aime, oh que je t'aime, alors j'arrête pas de le dire, oh je t'aime, j'aime mon voisin, j'aime mon amoureux, j'aime mon chat, mon chien, enfin, j'aime tout le monde, oh qu'est-ce que je vous aime, alors je vous aime, pourquoi je vous aime tellement, mais je vous aime parce que derrière vous me donnez des signes de reconnaissance. Voilà, il y a de la gratification. Tous les soignants, là, il y a une mode en tout genre, dont je fais partie d'ailleurs, hein, les coachs, les thérapeutes, tous ceux qui font du démon personnel en veux-tu en voilà, enfin, tous ceux qui adorent être dans des métiers de soins, de dons, de générosité, regardez à partir de quel endroit vous le faites, quelle est votre motivation, à partir de quel endroit vous le faites. Est-ce que c'est vraiment un truc hyper altruiste, je donne et je me sens voilà, dans quelque chose de complètement gratuit, de quel endroit je donne ? Ou est-ce que je donne et que je reconnais que je donne parce que voilà, ça me sert en retour. Quelque part, je vous utilise parce que voilà, vous me donnez de la gratification, vous me servez à mon propre plaisir. Et il n'y a aucun problème à partir du moment où je le reconnais. Il n'y a pas de problème à s'utiliser les uns les autres. Alors, en général, les gens à qui je dis ça, ils font vert. Ils disent, oh, mais c'est moche ton mot utilisé, c'est moche, c'est pas beau de s'utiliser. Oui, mais je le dis sans arrêt. Mais arrêtez de vous prendre pour... ça, c'est le moi, l'ego, il veut s'encenser. Il veut avoir une belle image. Oui, mais si à un moment donné, on reconnaît qu'on peut être d'accord et au courant qu'on s'utilise les uns les autres de manière fonctionnelle, il n'y a pas de problème avec ça. Pas de problème à s'utiliser. On s'utilise pour la sexualité.
On s'utilise, bah oui, on utilise l'autre pour son plaisir. L'autre, il nous utilise pour notre plaisir. Alors après, on peut se raconter des tas de choses magnifiques, nobles, belles, jolies, que j'adore d'ailleurs, la communion, la beauté. Et c'est vrai aussi, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais jusqu'où on se raconte une histoire qui va nous enchanter, qui va nous faire voir des mirettes, et on ne reconnaît pas l'ombre de cette lumière. Parce qu'il y a lumière et l'ombre. Il n'y a jamais l'ombre sans la lumière sans l'ombre. Alors, ok d'aller dans la lumière, parce que ça magnifie. Moi, j'adore, hein, je suis une fan de Nietzsche, donc j'adore la voie de la beauté, de mettre de la beauté dans l'ordinaire. Il n'y a aucun souci avec ça. Au contraire, c'est mirifique, quoi. C'est d'un coup, on s'envole, on s'expanse. Mais à un moment donné, si on s'expanse et on s'expanse, le moi s'hypertrophie. Hein, donc il faut arrêter de se raconter des cracks. C'est important de voir aussi de quel endroit de moi ça part, cette histoire de don, de générosité, d'altruisme à tout craint, et de reconnaître notre petite médiocrité, nos limites, en fait, simplement nos limites. On n'est pas grand chose, on est des petites choses. Donc des petites choses qui se veulent des grandes choses, mais qui ne sont que des petites choses. Donc du coup, ça nous détend. Hein? Et c'est pour ça que j'aime bien parler du don et du pardon, et notamment de cette histoire de don aussi qui a l'air magnifique comme ça, avec la limite du don qui est, bah ok, de temps en temps je donne vraiment à partir d'un endroit de moi qui est complètement désintéressé, hein? Et les endroits, moi ce que j'ai repéré sur moi pour vous en faire part, quand je suis complètement dans le désintéressé, comme il parlait tout à l'heure, dans l'abandon, hein, le don qui s'abandonne à lui-même, c'est quand je joue. Dans le jeu, je joue pour rien. Je joue pas pour pas les jeux où on perd ou on gagne, hein, pas le Monopoly ou des trucs comme ça. Mais le jeu vraiment, par exemple avec un enfant, vous jouez pas pour aller quelque part, juste pour le goût du jeu. Je joue avec une brindille, je joue avec n'importe quoi, tout ce qui se présente à moi. Le jeu pour jouer, sans aller vers un objectif, simplement pour le goût de jouer, de s'amuser, c'est la légèreté. Et là, on est dans effectivement quelque chose qui laisse aller. Hein. On n'est pas dans quelque chose qui contrôle, qui veut prendre, qui veut saisir, qui veut s'agripper, qui veut retenir, qui veut aller vers quelque chose. Et c'est pour ça que ça, c'est une forme de don de soi, que de pouvoir jouer sans s'agripper à rien. Parce que là, le moi, quelque part, se dissout. Le moi disparaît là-dedans. Je m'en fous d'être quelqu'un qui veut obtenir quelque chose. Je suis simplement dans l'instant à jouer avec cet enfant, par exemple. Ou à jouer avec cet amoureux, ou à jouer avec ce qui se présente, ou tout et n'importe quoi. Et dans ce jeu, il y a la gratuité. Dans ce jeu, il y a le désintérêt. Je ne le fais pas pour quelque chose, je le fais simplement parce que je suis touchée et parce que ça rentre en résonance avec quelque chose de léger et je ne me prends pas au sérieux. Et ça relâche à ce moment-là. Hein? Dès que j'arrête de me prendre au sérieux, bah, y a quelque chose de profond qui s'installe. Parce que dans la légèreté, moi je dirais comme ça, que l'essence de la profondeur, c'est la légèreté. Voilà, y a pas, la profondeur, c'est dans la sérieusité, pour moi, c'est pas profond, c'est je m'alourdis et je me raconte un truc qui renforce la structure de mon moi et qui veut sans arrêt paraître et faire briller mon ego. Et pourquoi pas, parce que ça a du bon aussi, hein, quand c'est reconnu, hein, on a tous un moi, et c'est bien de le renforcer aussi par moment, mais à un moment donné, c'est bien de s'en départir un peu et de se détendre un peu avec tout ça. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire sur le côté du don. Autre chose aussi sur le don, puisque je suis sur la partie du don, quand je donne à partir d'un endroit de moi qui est vide, hein, qui est vide, qui n'est pas plein, hein, on va dire, ça s'appelle comme ça, c'est pas un vrai don, c'est un don qu'on appelle un don du mendiant. Alors on le voit beaucoup dans la relation amoureuse, hein. Si je donne parce que je fuis ma solitude, si je donne parce que je ne supporte pas d'être confrontée 5 minutes à mes angoisses existentielles, parce que je me dis que je ne peux pas rester 5 minutes tranquille sur mon canapé, parce que tout de suite une angoisse monte, le vide monte, et ça m'effraie. Et donc, bah, du coup, je préfère me sentir utile à quelqu'un, à mes enfants, à mon mari, à mes patients, à je ne sais pas quoi, parce que là, je reçois quelque chose en retour, bah, je fuis quelque chose de moi. Je fuis quelque chose qui me fait peur. Mais c'est pas comme ça que je vais régler le truc. Donc au contraire, parce que ça s'entretient sans arrêt. C'est le don du mendiant. Hein. Et donc c'est le don de l'altruiste, là, que j'ai beaucoup décrit, hein, ceux qui aiment trop, l'altruiste qui donne, qui donne, qui donne, qui peut pas s'empêcher de donner, c'est plus fort que lui, qui est dans une forme de dévotion,
mais c'est aussi parce que c'est une fuite en avant d'un endroit qui est souffrant, qui est l'endroit du vide, qui est l'endroit du néant. Et qui est tellement difficile de rester un peu et de traverser ça, et de rester un peu en contact avec ça, que c'est plus facile d'être dans l'altruisme, évidemment, puisque là, on va utiliser les autres pour se sentir, pour se remplir, en fait, tout simplement, hein, donc fuir ce néant, fuir ce vide pour se remplir. Et ça ne règle pas grand-chose, c'est pas mal, ça dure un temps, hein, on se remplit, mais c'est une quête incessante, parce qu'il faut toujours quelqu'un qui doit nous servir à une fonction utilitaire d'être gentil, d'être donnant, d'être présent, d'être au service, etc., etc. Donc c'est un truc qui se mord la queue. Et à un moment donné, quand on en a fait le tour, moi personnellement, à un moment donné, je me suis dit, bon ben voilà, écoute ma chérie, t'as pas le choix. Va falloir que tu arrêtes ton temps à courir désespérément derrière, être utile aux autres, soigner les uns et les autres, être la sauveuse de l'humanité, travailler comme une tarée, avoir des amoureux en veux-tu en voilà, faire des couples en veux-tu en voilà, enfin des tas de trucs comme ça qui servent à remplir mon vide quelque part. Donc il va falloir que je m'arrête sur mon canapé, hein, rester un peu des heures là-dessus et de vraiment de rester un peu plus longtemps dans ce qui est possible pour moi, de rester en contact avec ce vide, avec cette angoisse de l'existence, qui sont les résidus de tous les traumas transgénérationnels et de tout ce qu'on transporte les uns des autres. Hein. On arrive avec ce truc de séparation qui est juste incroyable. Et on n'en peut plus, c'est insoutenable ce vide, quoi. Ce sentiment d'être séparé, de ne pas être relié, d'être seul, de ce truc de qu'est-ce qu'on fait là, on est voué à quoi, c'est angoissant. Et donc, on passe son temps à fuir les uns les autres. Moi, la première, je vous en témoigne. Et donc, à partir de là, rester, ça a été un moment vraiment important pour moi. C'est me dire, bon, écoute, arrête de fuir tout le temps. Est-ce que tu peux rester un peu plus, un peu plus, un peu plus, et rester en contact avec ce vide insoutenable pour qu'il se transforme en autre chose? Bon, il s'est transformé un peu, il n'est pas complètement transformé. Parce que je suis encore là ce soir avec vous, c'est que je suis encore en train de ne pas rester chez moi tranquille, à passer de la mendiante à l'impératrice, parce que c'est ça l'idée. Hein. C'est le mendiant qui passe son temps à donner, à être au service, à être dans le don, la générosité, etc. Et qui donne, et qui dit je t'aime, à partir d'un endroit de vide de lui, pour passer à l'empereur ou l'impératrice, qui est l'endroit où je donne pas à partir d'un vide, mais d'un plein, où je suis tranquille en fait. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si je suis pas avec, hein, ben, je suis pas avec. Hein. Si je suis avec, eh ben youpi, à ce moment-là, j'en profite, je savoure, je fais un petit truc de gratitude, des rituels en veux-tu, en voilà, je suis content, je magnifie le machin. Mais en même temps, je me prends pas au sérieux là-dedans, quoi. Je sais que c'est pas parce que j'en ai vraiment besoin et que je peux pas m'en sortir sans. Hein. C'est ça la différence entre la dépendance qui va s'agripper à partir d'un endroit de mendiant et celui qui donne pour recevoir. Et dans la relation amoureuse, on le voit beaucoup. Je donne, il y a beaucoup des femmes et des hommes. Hein. Je donne. Chez l'homme, c'est la fonction protectrice de l'homme. Je te protège. Je vole à ton secours. Secours du féminin blessé, du féminin fragile, du féminin vénéré, du féminin en veux-tu, en voilà. Donc, dans l'archétype du masculin, il y a le protecteur. Et ce protecteur, il est magnifique, mais en même temps, quand il le fait de manière récurrente et systématique pour renforcer son moi de « je suis puissant et fort parce que je te protège », en même temps, c'est magnifique. Parce qu'il y a quelque chose de donnant là-dedans. Hein. L'homme qui vous protège, il a du plaisir à donner et à vous protéger, vous les femmes. Donc il le fait parce que ça lui fait du bien, ça vous fait du bien. Et en même temps, il renforce aussi, je suis le protecteur, donc je suis une bonne personne. Donc je suis fort et puissant là-dedans. Et reconnu comme tel. Donc je vous dis, hein, versant nord, versant pile et face. Hein. Donc jusqu'où c'est vu, jusqu'où c'est pas vu. Parce que quand c'est récurrent, ces hommes-là ne peuvent pas s'empêcher d'être protecteurs tout le temps ou sauveurs tout le temps, et ils deviennent chiants et étouffants à vouloir tout le temps nous protéger. C'est excessif dans la protection, c'est too much, quoi. Donc à un moment donné, on n'en peut plus d'être protégé, surprotégé, accès. Donc c'est toujours la limite du truc, c'est l'excès, hein, qui nuit. Un peu, c'est bien, mais jusqu'où la personne, elle est construite là-dessus, elle ne peut pas s'empêcher de protéger, l'homme ne peut pas s'empêcher de protéger, surprotéger, et des fois c'est étouffant ou envahissant.
Bah, parce qu'il est décentré de lui. Pareil chez les femmes, hein, là, je prenais un exemple sur un homme, mais ça peut être pareil pour une femme. Voilà. Et donc, quand c'est pas vu, c'est pas reconnu, c'est systématique et on peut pas être autre chose que ça. Et c'est là où on est coincé dans nos systèmes. C'est ce qui est embêtant. Donc voilà, j'étais sur la partie du donneur, du protecteur, ça c'est chez l'homme. Et chez la femme qui veut donner à ses enfants, à son époux, je donne, je suis la gentille, moi, hein, je suis celle qui remplit ma fonction mère parfaitement, ma fonction épouse parfaitement. Et je dis je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je vous aime à tous, mais en fait derrière c'est pour aussi se sentir parfaite, hein, se sentir reconnue, s'aimer, hein. Et c'est pour ça que je disais, et je pointe ça vraiment, une des choses vraiment essentielles, hein, qu'on a à faire sur notre chemin, c'est de ne pas s'en vouloir, c'est de se pardonner à soi-même, c'est de se donner à soi-même cette bienveillance. C'est, ben, je m'en veux pas d'être comme ça, je peux pas lutter contre moi si je me vois être trop altruiste, par exemple, et que je ne fais pas exprès. Donc, je ne peux pas m'en vouloir. Je ne peux pas m'en vouloir parce que je ne peux pas être autre chose que ce que je suis maintenant. Et je ne peux pas en vouloir à l'autre parce que l'autre, il est à ce moment-là, à cet instant T, exactement comme il est parfait. Il ne peut pas être autrement que ce qu'il est maintenant. Peut-être qu'à l'instant T plus 1, plus 2, plus 3, plus 10, il va être différent parce qu'il aura changé, il y aura d'autres données, voilà, il aura évolué, changé, etc. Mais aujourd'hui et maintenant, il ne peut pas être autrement. Et c'est pour ça que quand vous avez pigé ce truc-là, que l'autre n'a pas le choix, et même vous, vous n'avez pas le choix d'être différent de ce que vous êtes à l'instant T, à ce moment-là, vous ne vous en voulez plus. Et vous n'avez pas de regret ni de ressentiment pour vous ni pour l'autre. Ni de culpabilité, ni à vous blâmer que vous n'auriez pas dû être comme ça, que vous ne devriez pas être comme ça, parce que si vous pouviez être autrement, vous le feriez, tout simplement. Hein, si vous faites des thérapies, si vous faites du travail sur vous, bah vous changez. Mais à l'instant T-1, à l'époque où vous étiez autrement, vous ne pouvez pas être autre chose que ça. Vous ne saviez pas tout sur vous. Vous n'aviez pas les données, vous n'aviez pas évolué, vous n'aviez pas intégré des nouveautés. Donc vous étiez comme vous étiez à cette époque-là. Donc vous ne pouvez pas vous en vouloir d'avoir été comme ça à cette époque-là. Quand, ça, c'est un truc, si vous pigez ce machin, le pardon, il est immédiat. Il n'y a même pas besoin de faire des rituels de pardon. Parce qu'on évolue, en fait. Parce que vous... Non, c'est même pas parce qu'on évolue. Parce que vous comprenez qu'on n'a pas de choix. Ou très peu de choix. Alors, je vais pas passer... Alors là, c'est un autre débat. Hein. C'est le débat du libre-arbitre. Hein. Bah, bon. Ça, c'est un débat que je vais opérer le week-end prochain sur la question du non-agissant personnel, hein, sur toute la question du libre-arbitre, puisque je mène un atelier sur cette question-là le week-end prochain. Mais, si on peut comprendre, quand même, ou envisager, faire une hypothèse, voilà, je ne veux pas dire que je dis la vérité, si on fait une hypothèse qu'on est archi-conditionné par nos gènes, par le transgénérationnel, par notre parcours traumatique, par les vécus, tous nos vécus, toutes nos situations douloureuses, difficiles, par la culture, par notre époque, par les trucs sociologiques, par les influences des uns et des autres, etc. Si on voit combien on est conditionné, ben, on se rend compte qu'il y a vraiment une forme de détermination. Quoi. On est tel qu'on est. À un moment donné, on n'a pas le choix d'être autrement que ce qu'on est, puisqu'on est archi-conditionné, hein, par les gènes, par la biologie aussi. Hein. On est conditionné par notre biologie. Fuite, attaque, dans un truc de survie, on ne fait pas exprès d'être comme ça. On a des réponses d'attaque et de fuite, des réponses réactives. Je vous ai dit tout à l'heure, l'autre il appuie sur un bouton, paf, t'es en trahison, t'es en abandon, il a tôt fait de réactiver toutes nos blessures. Donc on est archi conditionné quelque part. Quand on voit qu'on n'a pas beaucoup de choix, voire très peu de choix d'être comme on est, on arrête de s'en vouloir. On arrête de lutter contre soi, on arrête de se blâmer. Ou on voit qu'on se blâme, on voit qu'on ne se veut pas comme ça. Et qu'on se dit, si j'avais pu, j'aurais dû. Mais voilà, et alors là, on se colle de la souffrance qui est liée au blâme et à la culpabilité. Et ça, c'est une souffrance énorme, la culpabilité vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres. Ça veut dire que je prétends que j'aurais pu être autrement à ce moment-là.
ou je prétends que je pourrais faire différent. Là, si je fais pas un truc parfait là ce soir avec vous, parce que moi je prépare assez peu, j'ai pas le temps tellement. Bon, je me prépare, puis après je dis un truc, puis je pars sur autre chose. Donc c'est pas archi maîtrisé mon développement là. Et ben je peux pas faire autrement que d'être comme ça, même si j'avais voulu être autrement là, être Miss Parfaite, j'y arrive pas. Pas que je vais m'énerver, je vais pas m'énerver là-dessus. M'énerve pas, je vous le dis, je vous le confie, ben voilà. Et alors j'arrête de me faire la guerre avec moi. C'est pour ça que quand je suis dans cette acceptation profonde de mes limites, ou de voir, je n'ai pas le choix d'être qui je suis, d'être comme je suis. Parce que je suis formatée, j'aimerais bien être autrement, mais je peux pas. Je peux pas. Donc je m'accueille avec ça, et ça c'est libérateur. Libération, elle est à cet endroit-là. Je me pardonne d'être comme je suis parce que j'arrête de vouloir être autrement que ce que je suis, parce que j'arrête de prétendre quelque chose. Prétendre, c'est vouloir être autre, vouloir aller quelque part, vouloir obtenir quelque chose de soi ou de l'autre. Et je vais faire pareil avec autrui. Voilà, j'arrête de vouloir prétendre d'obtenir du changement chez l'autre. J'arrête de vouloir prétendre que l'autre doit être différent que ce qu'il est. Parce que s'il est comme ça, c'est qu'il ne peut pas être autrement. Et je l'ai tellement expliqué à chaque conférence que je fais, notamment sur le bouquin que j'ai sorti, sur le décodage des profils de personnalité. Quand on comprend ces trucs de profils de personnalité, on voit qu'on a très peu de marge. On est chacun dans notre profil et on est dans un moule, on est archi-conditionné. Et à partir de là, bah, l'autre, il a peu de marge. Il réagit, on appuie sur un bouton, il réagit. Il est dans ses systèmes de défense. Et moi, je suis dans mes systèmes de défense. Donc bon, hein, principe d'humilité. Hein, je ne contrôle pas grand-chose, il ne contrôle pas grand-chose. Est-ce que je vais lui en vouloir pendant des lustres? Ou est-ce que je vais commencer à pardonner, entre guillemets, qui est à comprendre que l'autre ne peut pas faire plus? Donc le pardon, il est immédiat, il est instantané. Dans cette empathie profonde, qui est de, par exemple, j'avais fait un truc sur le pervers narcissique, une conférence sur le pervers. Quand je comprends que mon pervers narcissique, il est complètement coincé dans son schéma, c'est une toute petite personne qui est complètement bloquée à l'endroit où elle est, je vois qu'il y a un enfant complètement perdu derrière, mais qui manifeste des comportements pervers par devant. Mais d'abord, je ne vais pas m'attarder avec lui, je ne vais pas rester avec lui, mais je vais voir saisir ce truc-là. Et je vais lui pardonner immédiatement, de pardonner dans le sens de m'en libérer, de ne pas entretenir un machin, je t'en veux, tu m'as fait un sale coup, nanani, c'était un salaud, et t'aurais pas dû, voilà. Et c'est ça le pardon, c'est la libération, elle est dans le sens que j'entretiens pas, et ça a été très bien dit tout à l'heure, je n'entretiens pas, j'en fais pas une affaire personnelle, hein, on retrouve les alcors Toltec de Guise, hein, je n'en fais pas une affaire personnelle, je n'entretiens pas le système pendant des lustres. Parce que qu'est-ce qui vous fait mal? C'est ça. C'est l'entretien, c'est je branche la prise. Et vas-y, que je me raconte qu'il n'aurait pas dû, qu'il l'a fait exprès, que c'est contre moi, et je le prends perso, et c'est un salaud, et il aurait pu faire autrement, bien évidemment, et il l'a fait exprès, et tatati, et vas-y, et là j'entretiens. J'entretiens le machin, et alors là je me prends le chou, et c'est moi qui souffre. Parce que qui a le problème? C'est pas l'autre, l'autre on s'en fout, il n'est pas là. C'est moi qui ai le problème, c'est moi qui souffre, c'est moi qui ai de la rancœur. Et ça peut durer des années, cette affaire. Hein, quand vous voyez, il y avait une enquête comme ça qui avait été menée chez les mourants là, au moment de partir. Qu'est-ce que vous regrettez? Souvent, on pose des questions. Qu'est-ce que vous regrettez? Bah, de ne pas avoir libéré des liens de ressentiment, de conflit. Tu vois, de ne pas avoir pardonné, de ne pas avoir libéré les chaînes du passé avec des personnes que j'aimais bien, avec qui je suis toujours en conflit. Tu vois, voilà, c'est ce qu'elle disait, pas que, mais entre autres. Pourquoi ça existe ça? Parce qu'elles n'ont pas pu comprendre ce mécanisme que je viens d'expliquer, qui est si je comprends que l'autre ne peut pas faire mieux, il ne pouvait pas. Donc je ne vais pas m'énerver, c'est pas peine d'entretenir. Je peux entretenir, mais je peux ne pas entretenir. Et parfois, c'est vrai que ces cercles de dons, là, ces rituels du don, on coupe. Des fois, je trouve ça un peu immature pour moi, parce que bon, c'est mignon, hein. Vous n'avez jamais vu ces trucs? On coupe, là, on fait des dessins. Vous savez, moi, toi, ça c'est pour les...